vous êtes ici au Labo, lieu totem de la French Tech Loire-Vallée, incubateur numérique tout récent. Et donc, c'était aussi important pour nous de vous accueillir dans ce lieu pour parler innovation et qui plus est, innovation publique. Donc voilà, je vais laisser la parole à Madina qui va animer la table ronde et on vous aura l'occasion de découvrir tous les sujets au fil du temps. Merci. Bah, écoutez, bonjour à tous. Voilà, donc moi je suis Madina Rival, je suis enseignante-chercheure et j'ai le plaisir de travailler au Conservatoire national des arts et métiers, qui est un établissement national avec des centres en région, dont un très beau centre, donc Tours, Orléans notamment. Ce Conservatoire national des arts et métiers, il a des équipes, dont une équipe qui est une équipe pluridisciplinaire qui est dédiée à l'innovation, ça tombe bien, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, c'est une nouvelle équipe. C'est aussi pour ça qu'on a voulu un petit peu se réunir et vous parler de ce qu'on peut faire pour former à l'innovation et notamment former à l'innovation publique. Comme vous le savez certainement parce que vous êtes des acteurs tous très impliqués, nous sommes cette semaine dans le cadre de la semaine dédiée à l'innovation publique qui est montée par le SGMAP, le Secrétariat général pour la modernisation de l'action publique, qui est un de nos partenaires, qui nous a fait le plaisir de labelliser notre formation et qui interviendra dans une conférence qu'on organise à Paris cette fois, si vous êtes disponible, le 1er décembre sur un sujet très très lié, qu'est-ce que l'innovation publique? Vous avez toutes les informations sur ce que peut faire le CNAM sur une page dédiée qui s'appelle le CNAM et l'innovation publique qui est sur notre site internet. Voilà. Alors pour revenir à cette conférence d'aujourd'hui, bah écoutez, on est très heureux de vous accueillir. Moi, je vais être un petit peu le modérateur et puis je dirai quelques mots à la fin. On a construit cette table ronde en trois parties, on va dire, avec deux plateaux. Un premier plateau sur les enjeux et puis les pratiques d'innovation publique. Sur ce premier plateau, ben, on aura le plaisir d'entendre notre administrateur général qui dirige le Conservatoire national des arts et métiers, Olivier Faron. Évidemment, on a le grand honneur, le grand plaisir. On remercie beaucoup, monsieur le maire, d'Orléans nous consacrer de son temps. Je sais que le temps des élus est précieux, ça, c'est très vrai. Et voilà, on est heureux qu'il s'intéresse à l'enseignement supérieur et notamment à ce que peut faire le Conservatoire national des arts et métiers. Et puis, sur les enjeux, on a également le plaisir d'accueillir Madame Jung, que je vous représenterai tout à l'heure, qui est ici présente à une semaine hein, de la remise du prix Territoria, puisqu'elle est la secrétaire générale de l'Observatoire de l'innovation publique et Territoria. Elle vous en dira un petit peu plus, hein, mais donc on est heureux qu'elle ait pu prendre de son temps. Et puis, Christelle Capy, donc de l'agglomération et de la ville d'Orléans, fera le point très concrètement avec Isabelle Janot finalement sur qu'est-ce que c'est que l'innovation publique concrètement. Parce que vous verrez qu'il y a des visions partagées et puis des points de vue qui peuvent s'opposer. Hein. On n'est pas tous d'accord. Est-ce qu'il faut du numérique, pas de numérique? Comment on fait concrètement? Voilà. À l'issue de ce premier panel, hein, les enjeux, les pratiques, on vous proposera d'interagir avec nous. Tu vas le dire peut-être, hein, Isabelle, mais voilà, il y a toute une solution technologique qui vous est proposée. Bah, vas-y, c'est peut-être le moment. Oui, alors vous avez la possibilité d'interagir avec les participants à la table ronde via vos téléphones portables, par SMS, tout simplement. Il suffit juste d'envoyer vos messages sur ce numéro de téléphone que vous voyez affiché là, qui restera en permanence, donc le 06 44 63 10 72. Donc les messages vont apparaître au fil de l'eau et puis Céline qui nous assiste remontera quelques-unes des questions directement pour que Madina puisse aussi les relayer. Donc n'hésitez pas tout au long de la séance puisqu'on a de toute façon aussi prévu des moments d'échange avec vous. Voilà. Voilà, donc un premier break où vous allez pouvoir réagir. Si quelque chose de très très important nous avait échappé, n'hésitez pas quand même à interagir avec la table ronde au fur et à mesure, hein, bien sûr, mais l'idée c'était de vous proposer un moment comme ça de réflexion. Ensuite, on passe à la deuxième partie, à la seconde partie. On va en arriver sur la formation. Est-ce qu'on peut former? Est-ce que c'est une gageure? Comment on forme bien? Quels sont les exemples, les tentatives à l'innovation publique?
Et donc, j'aurai le plaisir de prendre un petit peu la parole pour vous dire en deux mots, je vous rassure, hein, mais où en sont les recherches en la matière formée à l'innovation? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Christian Boucher, qui est ici présent, qui se présentera aussi, mais qui est enseignant au CNAM, mais aussi à l'INET, et puis chargé surtout de l'innovation pour la ville de Romans, partagera avec vous son expérience, peut-être ses réflexions, ses méthodes sur la formation. Et puis Patricia Fresneau, du GTAM Centre, dira un mot sur peut-être les perspectives en la matière. On fera à nouveau appel à vous sur vos réflexions, vos questions, avant de clôturer la session à nouveau par Monsieur le maire, qui peut-être nous dira un petit peu quelle est la prospective et ce qu'on peut imaginer faire sur la région, sur l'agglomération en tous les cas. Voilà, écoutez, on va démarrer. Alors, donc, on va faire monter sur l'estrade ceux qui vont prendre la parole, à savoir Monsieur le maire, si vous voulez monter, Christelle Capi. Il y a un petit escalier par là, c'est moins dangereux, mais voilà. Et puis, oui, absolument. Alors, moi, je vais me mettre au milieu. Oui, voilà. Voilà, donc on va commencer en écoutant ce que nous dit notre administrateur qui a enregistré ça la semaine dernière. Chers amis du CNAM, je suis très heureux de vous parler du Conservatoire national des arts et métiers et pourquoi cette thématique, cette conférence sur l'innovation est très importante. Malheureusement, je ne peux pas être parmi vous à Orléans, mais c'est très important, j'ai tenu à vous faire passer ce message. D'abord, pour vous présenter le Conservatoire. Qu'est-ce que c'est que le CNAM? Le CNAM, c'est le grand établissement de formation supérieure des adultes tout au long de la vie. Tous les termes ont une importance, supérieure car nous travaillons surtout après le bac, tout au long de la vie parce que nous considérons que la formation doit se dérouler tout au long de l'existence, et nous sommes une institution de formation professionnelle. Nous sommes sous la tutelle du ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, et nous avons l'ambition de donner à chacune et à chacun de nos concitoyens ou de nos auditeurs partout dans le monde, la bonne formation, les bons moyens de réussir. Nous sommes nés en 1794 avec l'abbé Grégoire et nous concourons à essayer de diffuser les meilleures compétences, les meilleurs savoirs et notamment les meilleurs savoirs scientifiques. De par la naissance même du CNAM en 1794 à aujourd'hui, nous avons toujours eu comme préoccupation l'innovation et l'innovation sous toutes ses formes. Aujourd'hui, le CNAM est en train de se réorganiser. Nous avons lancé une grande réforme appelée CNAM 2020. Dans cette réforme, la place de l'innovation est devenue une place extrêmement importante et en particulier, l'une des 16 équipes pédagogiques nationales qui va être créée va être une équipe consacrée au thème de l'innovation et elle sera dirigée par le professeur Gilles Garel. Cette équipe déploie son offre de formation à la fois pour le conservatoire, à Paris, en Ile-de-France, dans les centres en région, et évidemment à commencer par votre centre, par le centre de la région centre, qui est très important, mais aussi en Outre-mer, à l'international, au Liban, au Maroc, en Côte d'Ivoire, partout où le CNAM est présent. Et puis, nous essayons de faire de l'innovation quelque chose qui soit transversal, quelque chose qui permette de réfléchir sur les métiers émergents, sur les nouvelles compétences, sur ce qui va aujourd'hui sortir en termes de nouveaux métiers à créer. En ce sens, pour nous, il est très important d'explorer tout ce qui bouge, tout ce qui change quand les lignes sont en train d'évoluer. Nous essayons de réfléchir au processus de transformation, aux mutations des structures, au rôle des acteurs et des territoires. Et en particulier, nous essayons de voir comment il y a des lieux, il y a des acteurs, il y a toute une série de zones de changement qui sont plus propices à l'innovation. Nous avons aussi une particularité à laquelle toutes et tous au sein du CNAM nous sommes très attachés. Nous avons la chance qu'au sein du périmètre du conservatoire, nous ayons un fabuleux musée, le musée des arts et métiers, qui est un musée, mais un musée, j'allais dire, tourné vers le futur, qui nous offre les possibilités d'aller comprendre et d'aller surtout décliner ce qu'est l'innovation. Quand l'innovation a marché,
et ce sont les premiers avions, les premières aussi voitures, mais aussi quand l'innovation a échoué. Aujourd'hui, pourquoi parler d'innovation publique? D'abord parce que un salarié sur cinq dans notre pays est membre de la fonction publique, sans compter tous les salariés qui travaillent dans des entreprises qui réalisent des missions de service public. Tous les jours, nous sommes confrontés à ces entreprises qui portent ces missions de service public. Quand on prend le train avec la SNCF, quand on allume son électricité avec l'ensemble des groupes, quand on va prendre le métro avec la RATP, quand on poste une lettre. Donc, la force de tout ce qui renvoie à la mission de service public est une force extrêmement importante. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, et il faut le dire avec beaucoup de volontarisme, c'est qu'aujourd'hui, on associe souvent la fonction publique à une espèce d'immobilisme, comme si la fonction publique n'avait pas bougé depuis les employés de Balzac. Au contraire, la fonction publique bouge. Parfois, elle bouge même plus vite que le secteur privé. Et parfois, elle veut et elle va changer. Évidemment, avec des règles qui sont les nôtres, le respect strict de la mission de service public, le respect des acteurs, le respect de tout ce qui est évidemment les cadres définis par la mission de service public. Mais nous essayons de nous adapter. Nous avons l'ambition d'être plus efficients pour le service de nos concitoyens. Nous avons des réformes qui sont des réformes légitimes de notre cadre d'action budgétaire. Nous sommes aussi en partenariat avec d'autres acteurs du monde socio-économique. Nous avons à gérer tout ce qui est l'accès au numérique. Et donc, il faut que les responsables, les cadres, l'ensemble des managers du service public bougent avec leur temps pour à la fois servir leur établissement, servir la mission de service public et être en phase avec tous les agents dont ils ont la responsabilité. Donc, cette offre qui va vous être présentée aujourd'hui de formation en innovation publique est à mes yeux quelque chose d'extrêmement important. Ce qui est très clair, c'est qu'il s'agit de dénicher et de répondre à des attentes. Il y a beaucoup de domaines d'action qui nécessitent qu'il y ait aujourd'hui des acteurs publics qui portent de nouvelles ambitions. Nous savons bien que notre pays connaît une crise profonde, une crise sociale, une crise économique. Nous pourrons le relancer, notre pays, nous pourrons relancer notre société, nous pourrons relancer notre économie, si derrière des grands sujets, eh bien, il y a des acteurs du service public, fiers, car nous sommes tous fiers, notamment au Conservatoire, de représenter l'État, de représenter le service public, qui vont essayer de dynamiser des secteurs importants. Je pense à l'urbanisme, je pense au logement, je pense à la question essentielle qui est l'aménagement du territoire. Nous ne pouvons plus accepter qu'un certain nombre de nos concitoyennes et de nos concitoyens soient fragilisés. Je pense au développement durable, pour lesquels nous avons tous de nouveaux réflexes à prendre. Je pense à l'économie de la santé, à tous les enjeux qui sont liés au vieillissement. Je pense aussi aux enjeux internationaux, porter l'Europe, créer l'Europe, et puis réaliser la mondialisation. Et donc, nous avons ce souci d'essayer de porter au sein du Conservatoire, grâce à l'équipe pédagogique nationale que nous venons de créer autour du thème de l'innovation, grâce à la mobilisation de tous les enseignants et de tous les personnels administratifs qui portent cette équipe pédagogique, nous avons l'ambition qui est de renouveler, d'essayer de rendre plus moderne, d'essayer de rendre plus efficace toute la question de la gestion publique. Ça veut dire quoi ? Le management public, donc comment on gère des établissements, comment on gère des responsabilités, la question globale des politiques publiques, car nous sommes tous les acteurs de politiques publiques, le CNAM est présent sur la politique de formation professionnelle, sur la politique de formation en général, sur la recherche, sur l'expertise, la question du numérique qui est essentielle, et la question de la communication et de tous les enjeux de la communication. Je suis très fier de profiter de ce moment où je m'adresse à vous pour signaler que depuis la rentrée 2016, donc il y a quelques mois, deux, trois mois, le CNAM offre désormais des formations, des parcours diplômants en innovation publique en deuxième année de master autour du thème d'entreprise, innovation et santé, qui sont l'amorce, l'embryon d'un parcours plus général autour du management public innovant.
Nous portons dans le même temps, ce qui est nouveau pour nous, une offre certifiante, un certificat de spécialisation politique et management de l'innovation publique territoriale, destiné prioritairement tous les membres du secteur public qui veulent suivre cette formation, mais aussi évidemment à tous ceux qui vont le suivre. Un partenariat extrêmement fructueux a été développé entre le Conservatoire d'un côté et de l'autre le Secrétariat général pour la modernisation de l'action publique, ainsi que le Secrétariat d'État auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l'État et de la simplification. Ces acteurs, donc acteurs ministériels, ont souhaité labelliser nos formations et le 1er décembre, au sein du Conservatoire, dans le 3e arrondissement à Paris, eh bien nous aurons le plaisir d'accueillir le ministre Jean-Vincent Placé qui viendra légitimer, qui viendra sanctuariser, qui viendra reconnaître ce processus de labellisation. En ce sens, le CNAM va devenir un acteur incontournable de l'innovation publique à Paris, en Île-de-France, en région, en Outre-mer et avec tous nos partenaires à l'international. Je crois que la conférence d'aujourd'hui, cette conférence d'Orléans du 15 novembre, témoigne de la force de notre réseau, de notre implication auprès du SGMAP dans le cadre de la semaine de l'innovation publique, ainsi que de notre capacité à mobiliser des acteurs locaux. Pour conclure, je voudrais évidemment remercier toutes celles et ceux qui ont rendu ce moment possible. Saluer le CNAM Centre et sa remarquable directrice, Patricia Fresneau, qui porte nos activités avec beaucoup de talent et d'énergie. Saluer aussi le cluster NECOE, qui a contribué à l'organisation de cette conférence. Et puis, un mot tout particulier pour la collègue du Conservatoire, une enseignante particulièrement impliquée dans toutes ces questions, Madina Rival, qui est en charge des formations d'innovation publique au sein du Conservatoire. Je tiens à remercier l'agglomération et la ville d'Orléans, et en particulier son maire, que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors d'un dernier déplacement, pour leur présence à nos côtés ce 15 novembre. En définitive, je vous souhaite des débats très riches, des débats très constructifs, des débats très fructueux, en vous disant que très clairement, le CNAM souhaite aujourd'hui, demain et après-demain, être un lieu de ressources, un lieu aussi de carrefour, et devenir un vecteur de changement, parce que en faisant avancer l'innovation publique, eh bien nous faisons avancer notre société, nous faisons avancer notre économie, en définitive, nous faisons avancer notre pays, car c'est aussi de l'innovation publique que dépendra la création d'une société plus juste et plus harmonieuse et la relance de l'économie. Donc, soyez assurés d'une chose, le CNAM portera avec beaucoup de vigueur et beaucoup de flamme ce combat en faveur de l'innovation publique. Merci beaucoup et très bons travaux. Voilà. Alors, écoutez, je crois qu'on va passer la parole à Monsieur le maire qui va nous donner sa vision de l'innovation publique et peut-être des enjeux de formation. Merci en tous les cas. Merci. D'abord, merci au CNAM, effectivement, d'avoir pris l'initiative de cet après-midi et de cette conférence, parce que ce matin, j'étais aux côtés du préfet sur la présentation de l'ensemble des métiers des fonctions publiques et qui, en même temps, fait forum pour les agents de la fonction publique territoriale, mais aussi, évidemment, de la fonction publique d'État, et qui parler justement de ce qui aujourd'hui est inéluctable. C'est tous les mouvements qui parcourent toute la société, qui modifient nos attentes, qui modifient la façon dont on se comporte en tant que consommateur, mais pas seulement, évidemment, aussi dans sa vie personnelle, dans les choix que l'on peut faire, dans l'appréhension que l'on a de sa vie personnelle et professionnelle, de l'attente que l'on a en regardant autour de soi des différents services qui peuvent être proposés alors que auparavant on n'aurait jamais imaginé que tel ou tel voisin puisse louer la pièce à côté de chez lui ou partager sa voiture lors d'un trajet, sinon aux grandes époques de l'autostop, mais depuis ça s'était tombé un peu en désuétude. Bref, tous ces mouvements de ce qu'on appelle l'économie collaborative, de ce qu'on appelle l'économie disruptive, elle a un moteur fort qui est une remise en cause permanente de la situation de tout un chacun à l'égard de son environnement. Évidemment, la digitalisation a beau jouer un rôle très important dans la mesure où
bon nombre de nos comportements, ça c'est l'économiste qui parle, ont pour origine l'optimisation des coûts d'information, l'optimisation d'un certain nombre de facteurs que l'on possède chacun en soi ou que l'on utilise chacun soi. Et à partir de là, le fait que la digitalisation nous amène pour un prix quasiment nul, un maximum d'informations nous permettant d'optimiser des comportements, ça change complètement la donne de notre comportement par rapport au reste. Et dans ce contexte, il est évident que tout ce qui concerne l'environnement public est impacté. Il ne peut pas y avoir la même attente de nos concitoyens à l'égard des services publics que ce qui pouvait se passer il y a 10 ou 15 ans. On a toujours une attente des schémas régaliens forts, on attend d'être protégé, en particulier dans ces périodes particulièrement difficiles. On a des aspirations, en France notamment, on a une aspiration forte à avoir une certaine protection dans notre parcours de vie. D'autres cultures, d'autres sociétés choisissent des éléments qui sont différents, mais nous on a cette approche et c'est très important. Mais on a aussi nous-mêmes développé toute une série de services au fur et à mesure du temps qui répondaient à des demandes particulières. Et, la façon dont les politiques publiques sont conduites en France a souvent amené à superposer les différentes offres les unes par rapport aux autres sans forcément s'interroger sur la pertinence de ce qui devait rester. Pour une raison simple. C'est qu'au sein de la société, elle n'évolue pas de façon homothétique permanente. Vous avez un certain nombre d'acteurs qui sont plus en avance, entre guillemets, par rapport, si on met un fil, ce n'est pas une question de valeur, d'échelle de valeur, surtout pas, mais si jamais on met un fil de l'avancée des comportements, il y en a qui vont être plus anticipateurs que d'autres et d'autres qui vont rester dans leur situation antérieure pour des raisons qui leur sont propres et qui sont tout aussi respectables que celles qui motivent les pionniers. Ceci étant dit, quand on est en face ou en charge de la gestion publique, nous, c'est tout le spectre de la population auquel on a affaire. On ne va pas, comme dans la sphère marchande, aller chercher une cible particulière qui va constituer le noyau de notre clientèle. C'est ce qui explique, en tout cas c'est comme ça que je me le suis expliqué, le fait qu'on a un peu de mal à faire de l'économie disruptive et le fait qu'on a tendance à accumuler les dispositifs. Ceci étant dit, cette accumulation de dispositifs, elle amène aussi le fait que pour les agents publics, pour les politiques qui décident d'un certain nombre d'orientations et qui après demandent à ce que ces orientations soient mises en œuvre, c'est aussi parfois une position confortable. Et c'est une position confortable qui fait que justement, on a tendance parfois à ne pas s'interroger sur l'efficacité des dispositifs, sur leur adaptation et sur le fait que finalement, l'offre que l'on fait, bah, puisqu'elle vient du domaine public, elle s'impose aux autres, elle n'a pas à être réellement challengée. Et le fait qu'on doive s'adresser à tout le monde est en fait souvent une forme d'excuse par rapport à un conformisme qui évite les remises en cause. Et c'est quelque chose qui nourrit, par exemple, ce qu'on pourrait appeler la mauvaise dépense publique. Il y a de l'excellente dépense publique et puis parfois, il y en a qui est plus discutable, on le sait tous. Et si on reste immobile, au motif du premier paradigme, là, à ce moment-là, on a deux, trois soucis. D'où l'importance d'intégrer ces processus d'innovation à l'intérieur de l'ensemble de la chaîne de décision. Innovation, pas pour de l'innovation en soi, mais tout simplement parce que c'est elle qui, justement, fait qu'on est amené à remettre en cause et à permettre une évolution là où un certain nombre de points tels que je les ai exposés nous amèneraient plutôt à un certain conformisme. Alors cette innovation, on peut décider que c'est une cellule qui est chargée, une sorte de laboratoire mis de côté et qui travaille dans son coin, qui va prendre des innovations sur étagère, qui va elle-même chercher à motiver un certain nombre de choses. Ou alors on considère, et c'est le cas que l'on a choisi à Orléans, que c'est quelque chose qui doit être dans l'ADN de la gestion publique telle qu'elle est pratiquée sur le territoire. Et pour la mettre dans l'ADN telle que c'est pratiqué, il faut que ce soit au plus proche des organes de décision. Alors dans une ville, je vais beaucoup vous surprendre, mais alors le maire décide, mais celui qui vraiment met en œuvre celui que j'appelle le patron, alors
Le boss, c'est moi, mais le patron de l'administration, c'est le directeur général des services. Hein. C'est lui qui pilote les 2500 agents de la ville et qui a une responsabilité, qui est engagée à faire que tout ça se passe le mieux possible. Et donc, l'idée, ça a été de faire en sorte qu'il se dote d'une ressource, en l'occurrence, chez nous, c'est Christelle, qui travaille avec Nekoé pour justement introduire de nouveaux regards à l'intérieur de tous les, d'un maximum de process, pas tous les, mais un maximum de process qui nous paraissent être les points sur lesquels les évolutions sont les plus tangibles et sur lesquels l'offre semble être en inadéquation avec l'évolution globale de la demande et où se posent un certain nombre de dépenses qui deviennent inopérantes et d'un autre côté où on n'offre pas des services qui, eux, au contraire, seraient demandés. Et donc, toute cette optimisation, elle est aujourd'hui en plein à l'intérieur de la ville. On motive aussi les directions pour qu'elles-mêmes, elles aient ce réflexe-là de faire appel à cette cellule, à ce point de changement. Et ça nous amène à introduire cette logique à l'intérieur de l'ensemble des agents de la ville, en tout cas tous ceux qui veulent se porter volontaires dans la démarche. Ça nous amène aussi à réfléchir à la façon dont certaines politiques publiques, je regarde Madame la Présidente de la principale association des commerçants d'Orléans, à regarder aussi, à apporter une aide, une analyse qui fait qu'on s'interroge, parce que ça devient un problème de politique publique. D'ailleurs, le gouvernement l'a reconnu il n'y a pas très longtemps. Le commerce dans les centres-villes, hein, vous savez qu'aujourd'hui, il y a une vraie problématique avec quelque chose qui montre que ce n'est pas un problème conjoncturel. On est dans un problème structurel du commerce, du retail en France, mais c'est vrai aussi dans beaucoup de pays d'Europe, mais en particulier en France et dans nos villes françaises, le commerce de détail est un élément qui est fondamental de la vie de la ville. Et donc, on retrouve les villes centres de marché, centres de commerce, enfin tout ça est assez c'est normal, quoi, c'est traditionnel, c'est ce qu'a fondé les villes. Et donc à partir de là, le fait que ce soit quelque chose qui soit largement impacté, notamment par le commerce par Internet, nous oblige à des réflexions. Et ça nous oblige à repenser l'ensemble de l'organisation du centre-ville, mais aussi à donner des recommandations à ceux qui pratiquent ce commerce, à nous aussi sur certaines politiques, en les adaptant pour les soutenir, à faire en sorte que tout se repose sur l'analyse du chaland, de l'usager. Christelle leur dira sans doute deux mots tout à l'heure. Donc vous voyez, ça va à la fois sur des éléments qui sont vraiment intrinsèques au fonctionnement de la ville, pour amener, j'ose pas dire une logique de rupture, parce que c'est idiot dans le cadre d'une institution publique, mais sur certains points, c'est des changements quand même à 180 degrés. Qui sont latents et qui sont en train d'être mis en œuvre. Et puis, en même temps, ça nous amène à porter l'analyse des politiques publiques que l'on peut faire, en tout cas là où on pense qu'il faut que l'on agisse, sur une logique, sur un regard qui n'est pas fondé directement sur une logique institutionnelle top-down, mais sur le fait qu'on regarde ce qui se passe et puis là où les acteurs aussi savent faire. Le dernier point dans tout ça, c'est que pour faire tout cet environnement, et le labo est un exemple, il faut arriver à faire en sorte que la ville soit extrêmement bien connectée à tout un écosystème d'entreprises, de chercheurs. Donc on est ici en plein dans une institution que j'apprécie tout particulièrement par son efficacité dans le temps. Elle l'a prouvé, son histoire le prouve, et qui fait que à partir du moment où on a réussi à créer cet écosystème, on peut s'auto-alimenter les uns les autres, nonobstant les règles sur les marchés publics et autres, on peut s'auto-alimenter sur les expérimentations, sur le développement en mode start-up que des entités ou des entreprises vont mettre en œuvre, ou des groupes d'individus, parce qu'ils vont rentrer dans la sphère marchande à partir de la création de tel ou tel service. Et nous, on arrive à les soutenir parce qu'on a une base d'expérimentation extraordinaire. Hein. C'est dans des tas et des tas de domaines. Hein. Une ville, c'est pas loin, on le voyait ce matin, c'est près de 200 métiers. Bien sûr, il y a le côté valorisation du travail des équipes.
et de l'innovation. Mais ce qui nous a paru tout de suite, et c'est très important, ce qui nous a paru tout de suite intéressant, c'est de dire il faut absolument que l'on diffuse, que l'on porte à connaissance des autres, que ça puisse servir, pas forcément de modèle, mais de lanceur d'idées. On ne recopie jamais une innovation, quel que soit le domaine dans lequel on travaille. Exactement, ce qui est intéressant, c'est d'aller ensuite l'adapter à son propre contexte, à ses propres moyens, à ses propres objectifs. Et là, c'est vrai que nous avons été tout de suite suivis par la presse des collectivités territoriales, bien sûr, et elle est très nombreuse. Mais beaucoup plus difficilement par la presse nationale, vous vous en doutez. Hein, les médias ont essayé pendant des années de nous demander de leur parler des dossiers qui faisaient montre de la gabegie administrative ou financière des politiques. Ce à quoi non seulement nous nous refusons, mais de toute façon nous n'en avons pas connaissance, donc c'est très bien. Et beaucoup plus difficulté à leur faire reprendre les choses qui marchent et les vraies innovations. Mais ça a quand même pris une ampleur qui fait que nous recevons à peu près 150 dossiers par an. Enfin, cette année, 150. Il y a eu des années plus, des années moins quand il y a des élections trop proches. Mais en se plaçant déjà 30 ans en arrière, uniquement sur le créneau de ce qui était innovant. C'est-à-dire pas la bonne pratique, mais ce qui était une rupture, ce qui était un mouvement par rapport à ce qui se faisait avant, ce qui était peut-être ce qui aurait dû se faire. Et se faire partout, mais ce qui ne se faisait pas. Et donc, nous avons servi à aller pêcher un peu ces pépites que nous trouvons chaque année. La diffusion, ensuite, c'est beaucoup plus compliqué. Et notre ambition, maintenant, c'est effectivement d'accélérer cette diffusion. L'esprit actuel s'y prête beaucoup plus. Les moyens, évidemment, informatiques... nous aide énormément. Pour nos 25 ans, on avait édité un petit abécédaire en reprenant tous les lauréats, il y en a plus de 400 là-dedans, des 25 années passées. Il est à disposition et en lecture sur notre site internet maintenant. On a arrêté l'édition, mais il est à disposition sur le site. Mais ça nous donne une visibilité très intéressante sur comment évoluent ces innovations, quels sont les thèmes d'actualité, quels sont les sujets les plus porteurs, ceux auxquels les élus sont plus attachés, ceux pour lesquels il y a le plus de réticence. Et pour parler de ce qui se passe actuellement, c'est vrai que on a la crise qui a décuplé peut-être ce désir ou ce besoin d'innovation. Une des grandes thématiques, ça a été faire plus ou faire mieux avec moins. Et ce n'était pas simplement sur le plan financier. C'était juste de dire, réinterrogeons les politiques publiques. Commençons peut-être un peu d'évaluation. Ce n'est pas ce en quoi les politiques publiques françaises sont le plus en avance. L'évaluation, il faut bien le dire. Réinterrogeons un peu pour voir ce qui est nécessaire, ce qui est souhaitable, ce qui est faisable et avec qui. Alors, j'aime pas beaucoup le mot de co-construction. Il est très, très, très à la mode. Nous sommes aussi partenaires avec le SGMAP et avec d'autres ministères qui travaillent beaucoup sur ces sujets, comme le Commissariat général à l'égalité des territoires, qui fait énormément de choses. Mais parce que je pense que ce qui n'est pas le plus important, ce n'est pas de se mettre ensemble pour concevoir une politique publique. Pour ça, et en particulier quand on est dans les territoires, il y a des programmes, il y a des équipes et il y a des gens qui sont élus avec une vision et avec un programme. Donc, savoir écouter les autres, bien entendu, c'est très important. Ce qui est important, c'est de savoir comment on va les réaliser, comment on va les mettre en œuvre et de voir que dans les années récentes, cette mise en œuvre, elle fait vraiment appel beaucoup plus loin que simplement les équipes municipales. Elle fait appel à des associations, elle fait appel aux entreprises. Elle fait appel à des consultants, à des universitaires. Et je crois que c'est ça qui est le plus intéressant dans le mot collaboratif ou dans le mot participatif. Et ça, maintenant, c'est vraiment quelque chose qui est installé depuis 2-3 ans. On le voit de façon... Alors, je vais dire générale parce que moi, je ne vois que des dossiers d'innovation. Donc forcément, je suis un petit peu déformée, un petit peu en avance. Pour vous donner quelques exemples très précis,
pour finir mon propos, cette année, nous avons eu 150 dossiers. Nous avons 36 collectivités lauréates. La remise des prix, c'est la semaine prochaine au Sénat, mais ils sont déjà au courant. Hein. Le jury s'est réuni en octobre et nous ne gardons pas ça secret. Le jury était présidé par un autre ministre, Jean-Michel Baillet, puisqu'il est en charge de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales. Nous avons changé de ministre très régulièrement, nous avons l'habitude. Mais chaque fois, ils sont très, très surpris par notre jury et par les dossiers que nous recevons. D'ailleurs, je suis sûre que c'est nous qui avons influencé l'État, si vous voulez, le SGMAP, la modernisation de l'État. Les collectivités sont très en avance. Donc cette année, nous avons par exemple une ville, c'est Salon de Provence, qui a démarré avec l'ARF une expérimentation. Ils appellent ça activité et sport sur ordonnance. C'est-à-dire qu'on va faire de la prévention santé en permettant à des personnes d'aller suivre, de pratiquer un sport ou de pratiquer des activités physiques sur ordonnance médicale avec contrôle, payé donc, si vous voulez, pour le faire, parce qu'on considère que leur état de santé va s'améliorer. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose, c'est pas forcément le rôle d'une mairie, mais vous voyez, c'est très intéressant de voir qu'ils ont pris ça en charge, bien sûr avec l'ARF, mais et de voir, ils vont faire le point dans 6 mois, dans 1 an, dans 18 mois, pour voir si ça continue. Vous avez la mairie du 9e arrondissement à Paris qui a passé une convention avec la FNAIM, c'est-à-dire la, je crois que c'est la plus grosse fédération de syndics immobiliers, pour se réunir régulièrement, expliquer les politiques publiques de nettoyage des rues, de tri des déchets, de réglage de l'éclairage public, enfin bon, tout ce qui peut être relayé justement dans les copropriétés de l'arrondissement, et pour faire en sorte que ces politiques soient comprises et bien mises en œuvre. Ça aussi, c'est pas très classique comme fonctionnement. On n'envoie pas des personnes de la mairie pour contrôler ou pour sanctionner. On essaie de travailler avec ceux qui peuvent mieux faire mettre en œuvre les politiques publiques. Alors, des exemples comme ça, on en a beaucoup dans des domaines extrêmement variés. Cette année, nous avons 18 domaines à récompenser. Ça change tout le temps. Il y a 15 ans, on avait des marques de développement durable. Ensuite, on s'est intéressé au TIC. On disait même nouvelle technologie de l'information et de la communication, puis on a dit TIC, puis on a dit usage des TIC. Maintenant, on en est à efficience numérique et à ville digitale, enfin à collectivité digitale. Donc, nos domaines évoluent, et ils évoluent même des fois en fonction de ce que l'on reçoit. Nous avons cette année un dossier d'un département qui a mis en place une structure pour lutter contre le risque de radicalisation des jeunes. Bon, je peux vous citer comme ça, mais il vaut mieux que vous alliez voir sur notre site internet, il y a absolument tout. Merci beaucoup, Madame Young. Alors, moi, j'ai entendu des choses qu'on aurait pu tweeter. Je ne sais pas si Céline, vous tweetez. Non, vous ne tweetez pas, hein, du coup. Alors, il faut sortir de sa zone de confort. C'est ça, hein, monsieur le maire. Ce serait votre définition, finalement, de l'innovation. À la fois une logique de changement à 180 degrés sur les politiques publiques, sur l'ADN de la gestion publique, et puis des solutions de terrain aussi, évidemment, et Madame Young partage votre propos en faisant ressortir pas la bonne pratique mais la rupture, voilà ce serait votre définition à vous de l'innovation publique. C'était très riche aussi, peut-être qu'on va finalement proposer à la salle de poser quelques questions. Je vais descendre avec mon micro. Si vous voulez, alors, vous allez garder celui-ci pour répondre. Et puis voilà. Bonjour, je m'appelle Marianne Ramirez. Je suis actuellement en reconversion professionnelle. Et je suis donc une licence ressources humaines au CNAM. Donc c'est pour ça que je suis ici. Mon objectif, après avoir obtenu cette licence, c'est de passer, si c'est encore possible,
un concours d'officier de sapeur-pompier professionnel afin d'être capitaine et de pouvoir gérer justement un SDIS, notamment toute la partie ressources humaines, principalement d'un service départemental d'incendie et de secours. Une petite question me brûle les lèvres. Actuellement, l'actualité est assez chaude pour les fonctionnaires. on ne sait pas trop, en fait, où va aller la fonction publique territoriale. Il y a plusieurs, effectivement, pistes. Je suis un peu bloquée. Toutes mes idées sont un peu brouillon, du coup, maintenant. Je ne sais même pas si je vais pouvoir passer un concours, en définitive. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Comment vous, notamment en tant qu'élu, par exemple, vous voyez l'avenir de la fonction publique, comment on peut se projeter, en fait, concrètement, du coup, avec les dernières idées. Voilà. C'est presque une journée à part entière. Ce que je sais en tant que maire, c'est que aujourd'hui, il y a des situations où le statut est handicapant pour la personne. Moi, j'essaye, je suis un ancien chef d'entreprise. Ce qui m'intéresse, c'est si les agents, à l'époque, c'était mes salariés, aujourd'hui, c'est les agents de la collectivité, sont contents dans ce qu'ils font. Est-ce que ça correspond à leurs aspirations et quand ils veulent changer, est-ce qu'ils peuvent le faire assez facilement? Et comment est-ce que dans un environnement qui est mouvant, tel qu'on l'a évoqué tout à l'heure, on a la capacité de faire en sorte que chacun continue de trouver sa place? Aujourd'hui, avec toutes les histoires de concours, de titularisation, il y a une grande partie du travail des services des ressources humaines à la ville qui consiste à essayer de voir comment est-ce que par rapport à la législation, par rapport à la réglementation, elle peut être contournée. De façon tout à fait évidemment légale, sinon il y a un sujet. Mais justement, comment est-ce qu'on peut adapter pour faire en sorte que les personnes trouvent finalement chaussures à leurs pieds, qu'elles continuent d'avoir une progression, une polyvalence, etc., etc. Donc c'est quand même pas, ça veut dire que le système dans sa globalité, il n'est pas hyper sain à un moment donné où on nous demande, ou en tout cas moi je leur demande, d'être en mode projet, d'évoluer, de faire en sorte de, à la fois de, mais se remettre en cause, on a l'impression que c'est incantatoire et péjoratif, c'est pas du tout ça le sujet, enfin j'espère que j'ai fait passer un message positif, vous l'avez souligné, mais justement, comment est-ce qu'en les appelant à ça, eux-mêmes, ils ne se heurtent pas à toute une série de rigidités. Donc aujourd'hui, moi j'attends, il va y avoir une nouvelle mandature, qu'elle soit de droite ou de gauche, c'est pas le sujet, mais j'attends qu'elle fasse évoluer un certain nombre de choses, parce que ce qui est demandé aujourd'hui aux collectivités locales, c'est-à-dire de s'adapter, n'est pas complètement compatible avec la façon dont aujourd'hui le statut est, et le contrat en fait avec l'agent est plus ou moins garanti. Voilà. Moi je pense que sur beaucoup de domaines, on serait mieux avec des CDI, il y aurait une meilleure protection pour l'agent. Parce que moi, c'est ce qui m'a frappé en découvrant la fonction publique, c'est que dans bien des domaines, les personnes que l'on a dans les entreprises sont mieux protégées qu'elles ne le sont dans la fonction publique. Et c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Alors, je ne parle pas du licenciement ou autre, qui peut exister dans la fonction publique, il n'est pas interdit. Enfin, il est très peu pratiqué, évidemment. Mais en tout cas, pour les évolutions de carrière, pour tous ces éléments-là sont mieux vus, me semble-t-il, et pourraient être mieux vus si jamais il y avait une vraie évolution de tout cet environnement-là. Juste un exemple, quand sont apparus les métiers justement de l'informatique ou bien des télécommunications, ce sont des contractuels qui sont venus dans les collectivités. Certains y sont restés, certains ont bougé, ils venaient pour la plupart évidemment du privé. Je crois pas que le statut lui-même, si vous voulez, soit important. Je crois que c'est ce que vous avez dit, c'est le contrat, c'est le fait que vous allez faire quelque chose qui vous plaît, que vous avez eu une formation pour ça, que vous l'avez choisi. Après, la protection du statut de la fonction publique, je pense que c'est devenu une fausse idée. Et ça peut être bloquant sur certains points. Et on peut faire le rapprochement avec les marchés publics aussi. Les marchés publics, ils sont là pour
contrôler, bien sûr, l'utilisation des deniers publics, pour protéger aussi, parce que c'est une protection, mais on voit, absolument, mais on voit une évolution quand même ces dernières années, sous l'influence de l'Europe, il faut bien le dire, qui permet maintenant à des collectivités de faire en toute légalité des choses qui correspondent vraiment à ce qu'elles veulent faire et avec qui elles veulent le faire, et avec le meilleur fournisseur ou partenaire de la collectivité. Et les contrats d'innovation, les contrats d'expérimentation, ça a permis de commencer le travail avec des start-up, de commencer à faire de l'expérimentation, et ça évolue aussi. Donc je pense que pour les personnels, enfin moi ça c'est pas mon domaine, mais de ce que je vois en tout cas, il y a des collectivités qui fonctionnent avec beaucoup de contractuels. Quand vous voyez comment elle fonctionne, c'est pas évident de différencier une personne en fonction de son statut ou pas. Donc elles peuvent pas voilà. Pérenniser, voilà. Et donc elles sont obligées de contourner constamment, c'est ce que j'évoquais. Et ça c'est tout sauf sain, parce que c'est embêtant évidemment pour la personne qui a une sorte d'épée de Damoclès sur sa tête, alors qu'on cherche le contraire en général. Le paradoxe c'est que plus on cherche à pérenniser, plus c'est finalement compliqué. Donc c'est là qu'il y a des trucs qui vont pas. Bon, c'est un avis très personnel, évidemment. Oui, alors je dirais que votre question, elle soulève aussi les problèmes de gestion des ressources humaines. Ça, on en avait discuté avec les personnes qui sont là autour de la table ronde avant de commencer. Ce que font remonter les études des sociologues, par exemple, qui vont faire du travail de terrain dans des collectivités auprès de cadres de catégories B et C, notamment dans les administrations. C'est une grande souffrance, hein, puisque ce statut, il enferme en quelque sorte. Et la collectivité qui pourrait vouloir inciter au changement les salariés et les salariés eux-mêmes en quelque sorte. Et il y a c'est dans ce cadre-là notamment que le secrétariat général pour la modernisation développe ce qu'ils appellent des laboratoires d'innovation. Pour les administrations déconcentrées, de manière à essayer de permettre une redynamisation, on va dire, de ces populations. Donc je comprends votre inquiétude, mais finalement ce statut, qui de fait n'existe plus vraiment, c'est ce qu'on vous a expliqué, n'est pas forcément une existe, mais n'est plus la norme, on va dire. N'est pas forcément une protection, on va dire, c'est pas ça qui va vous permettre d'être heureux dans votre parcours professionnel. D'où l'importance, d'où la nécessité de former finalement après tout au long de la vie, mais vous êtes en formation, donc c'est moins votre souci. La parole à Christelle Capy qui va nous dire très concrètement, pardon, je tourne le dos à la caméra, c'est très mal, je vais essayer de me rasseoir, ce qui se passe dans l'agglomération et dans la ville d'Orléans sur l'innovation publique. Oui, alors je vais vous présenter l'approche orléanaise qui est une approche comme une autre et qui est en cours d'expérimentation, c'est-à-dire qu'elle est en œuvre depuis une année maintenant. Donc vous l'avez compris, les fondamentaux de la démarche, c'est vraiment d'engager une approche de transformation globale qui permette de mieux répondre aux pratiques des bénéficiaires de nos services, donc les pratiques, les usages et les besoins des bénéficiaires de nos services, quels qu'ils soient citoyens, étudiants, associations, entreprises, et aussi par là même d'engager une démarche de transformation globale de notre organisation. On a bien le double enjeu et c'est fondamental. Il y a deux écueils qu'on a souhaité quand on a pensé la démarche, qu'on a souhaité éviter, c'était l'innovation pour l'innovation, c'est-à-dire que voilà, ça n'est pas une finalité en soi, et ça me semble important de le préciser. Et l'autre écueil, c'est celui du tout numérique, à l'heure où on entend nombre d'appels à projets sur lesquels le seul axe pour emporter, lever des fonds, ça serait de faire du numérique. Le numérique est un formidable outil, un accélérateur sans lequel on ne pourrait pas réaliser l'objectif qu'on s'est atteint, l'objectif qu'on s'est fixé, mais ça n'est qu'un outil et ça n'est pas une fin en soi non plus. Et voilà, ça nous semble important, on essaie au quotidien dans nos projets de se le rappeler et de le rappeler à nos interlocuteurs.
À partir de là, sur le comment on a souhaité le mettre en œuvre, le parti pris a été de s'appuyer sur une démarche de design de service, une démarche centrée utilisateur. Alors, je ne vais pas vous expliquer le contenu de la démarche parce que Isabelle Jeannot de Neco, elle fera tout à l'heure, donc elle vous expliquera ça bien mieux que moi. Si on a choisi cette approche, c'est tout d'abord parce qu'on a un écosystème qui a une vraie force et une vraie compétence en la matière, avec Nekoé, avec Actan et avec des acteurs spécialisés dans le design comme l'ESAD. On pourra en reparler plus tard sur les acteurs du territoire en matière de formation. C'est aussi parce que cette approche, elle part de l'usager. Elle ne part pas de la contrainte que l'organisation peut subir, mais elle part de l'usager pour améliorer le parcours de l'usager et du coup voir comment on transforme l'organisation et non pas quelles sont mes contraintes et comment je les fais porter à l'usager. Et aussi parce que c'est une approche qui se construit avec les collaborateurs et que ça nous semblait fondamental. Alors, plus précisément, quand on a eu posé à la fois le cap, les écueils et puis la méthode, on s'est vraiment posé la question de comment convaincre et comment faire la preuve du concept. Et plutôt que on a bien identifié nombre de freins et le chemin n'est pas simple et on le vit au quotidien. Et donc on s'est dit plutôt qu'une grande déclaration incantatoire et qu'une injonction, on allait adopter une stratégie de petits pas et qu'on voulait faire la preuve par le concret. Donc il a été retenu des projets qu'on qualifie de pilotes sur lesquels on expérimente la démarche. Donc nous-mêmes on apprend en la déployant. On découvre des freins et on ajuste et on capitalise pour les suivants. Donc ces sujets ont été choisis parce qu'il y avait une volonté politique sur certains axes de faciliter la vie de l'usager, parce qu'on avait aussi des directeurs qui étaient porteurs et qui étaient convaincus de la démarche, parce que c'est mieux de convaincre avec des gens qui ont envie plutôt que d'aller déjà perdre de l'énergie à chercher. Autant s'appuyer sur les pionniers et puis on verra les suiveurs après. Donc, certains pilotes ont été retenus. Donc, typiquement, Isabelle vous en parlera aussi tout à l'heure. On a travaillé sur le stationnement. On est en train de travailler sur le parcours d'inscription en crèche. Donc, tout ça, ce sont des choses extrêmement concrètes. Sur un portail de démarches en ligne, avec des démarches de prototypage et de test. Et puis, c'est itératif, on amende avant de déployer. On est en train de travailler sur la mobilité périurbaine, sur l'accueil dans les déchetteries. Donc, vous voyez, les sujets sont larges. On est aussi en train de travailler avec la direction des ressources humaines parce qu'on ne peut bien accompagner notre usager externe que si on travaille notre relation de service interne. Et on a aussi pas mal de chantiers en cours. On va travailler à compter de janvier 2017 sur les médiathèques et aussi sur l'expérience du centre-ville parce que pour rebondir sur ce que disait Olivier Carré, on pense que notre centre-ville doit être conçu comme une unité de lieu et d'expérience et non pas comme des silos, le commerce d'un côté, le stationnement, le tourisme de l'autre. Et que quand on vit le centre-ville, finalement, on vit une pluralité d'expériences sur une unité de lieu. Donc voilà l'approche, c'est une approche de petits pas avec des projets très concrets qui commencent à émerger. Comme dans nos ateliers, on travaille avec on observe des usagers, on travaille avec des agents, on commence à toucher du doigt des concrétisations et avec des préconisations qui peuvent être digitales, repenser un portail, mais qui aussi petit à petit diffusent cette nécessité de travailler la transformation de nos manières de faire. Donc, et diffuse, par exemple, le fait de savoir un peu se détacher d'une expertise, et on en discutait tout à l'heure, totalement métier, où on a des organisations qui aujourd'hui renvoient une valorisation des compétences qui est très axée sur une compétence métier et pas forcément sur une posture servicielle ou sur une polyvalence. Or, ce qu'un utilisateur attend, c'est aussi avoir une polyvalence et un sens du service. Ce sont des exemples où on casse un peu les silos, on aboutit sur des préconisations qui peuvent être des préconisations en matière de formation et de posture. Et en tout cas, c'est la démarche qu'on a souhaité mettre en œuvre. Et après, il nous semble que notre organisation, elle aura pu appréhender les enjeux et qu'on pourra alors déployer une démarche pour faire savoir faire de la formation sur l'innovation publique. Mais que si on avait fait les choses dans l'autre sens, on n'aurait pas eu un public en tout cas en capacité de en maturité pour pouvoir entendre les messages qu'on allait diffuser. Merci beaucoup Christelle pour ce point de vue, on va dire
très engagée. On sent que c'est votre passion et c'est bien naturel, avec des exemples concrets. Que j'aime bien parce qu'ils illustrent un concept théorique qui est né dans les années 80 et que j'ai vu repris dans quelques colloques professionnels. Alors pardon, je sais que Madame Jung n'aime pas les anglicismes, mais on appelle ça le nudge, c'est-à-dire le petit coup de coude qu'on va donner, que vous traduisez par qui va on change pas tout radicalement, on va changer petit à petit, mais en même temps des changements à 180 degrés, mais sur des petites choses du quotidien. Qui vont permettre de générer de l'innovation. Alors, on va écouter donc Isabelle Jeannot, qui est la directrice de NECOE, qui nous accueille ici. Peut-être pour nous expliquer, c'était une question d'administrateur, hein, parce que quand on a enregistré son petit mot introductif, voilà, il était très curieux de savoir ce que c'était NECOE. Alors, on va le lui expliquer, vous allez nous expliquer ce que c'est NECOE et ce que ça apporte à l'agglomération. Grande question, effectivement, on pourrait se poser la question, qu'est-ce que vient faire NECOE dans tout ça? Alors rapidement, NECOE, on est un acteur de développement économique, vraiment organisé sous format associatif, on existe depuis 2009. On agit aujourd'hui sur tout le territoire de la région Centre-Val de Loire et on agit sur une thématique qui est l'innovation par les services. Alors dans ce thème-là, ce qu'on cherche à faire principalement, hein, puisque notre cible de départ c'était plutôt l'activité privée, les TPE-PME, c'était faire comprendre aux entreprises que la croissance et la pérennité de leur entreprise pouvaient aussi passer par la mise en œuvre de services plus orientés, centrés utilisateurs. Et puis, notre autre mission, c'est aussi contribuer à faire de notre territoire un territoire de services. Ça veut dire pas qu'un territoire avec des infrastructures, mais un territoire qui propose des solutions globales qui s'appuient sur son écosystème autre que les collectivités et les acteurs économiques. Donc comment on agit aujourd'hui au niveau de la mairie? Quand on a commencé avec Christelle, effectivement, on a décidé de choisir des pilotes et de travailler sur ces pilotes pour faire comprendre la méthode, voir ce qu'elle était en mesure d'apporter pour pouvoir fédérer quelques collaborateurs, quelques agents et pouvoir derrière motiver un plus grand nombre d'acteurs de la collectivité. Donc je vais vous donner l'exemple que Christelle commençait à citer, qui est la petite enfance. Comment on a procédé? On a procédé sur une méthode qui est le design de service, mais plus largement la conception centrée utilisateur. Donc trois points principaux dans cette méthode. Effectivement, la notion d'utilisateur et non pas de client ou de consommateur. On s'intéresse aux pratiques, on s'intéresse aux contraintes, on s'intéresse aux usages des individus et pas de catégories de personnes. Deuxième chose qui est importante, je ne vais pas utiliser le terme de co-construction, mais la notion de construction ouverte et collaborative, c'est-à-dire de dire bah, finalement, on va construire à plusieurs avec différents acteurs, à la fois l'utilisateur lui-même, mais aussi des acteurs qui délivrent le service, donc là dans la mairie des agents, et puis aussi de la pluridisciplinarité, c'est-à-dire pas que des agents administratifs ou pas que des agents techniques, d'essayer de croiser ces différentes disciplines pour avoir vraiment une construction qui soit avec différents regards, différentes expériences, et c'est dans le collectif où on va faire émerger des choses beaucoup plus intéressantes. Et puis, troisième aspect de notre méthode, c'est le prototypage et le test, comme le disait Christelle. On avance en itération permanente, c'est-à-dire on produit des choses, on imagine des processus, on imagine des interfaces digitaux, et avant de faire un grand lancement, on va tester sur une période avec des utilisateurs cibles pour voir comment ça fonctionne, pour pouvoir améliorer et mettre les aménagements nécessaires avant de vraiment développer quelque chose de beaucoup plus conséquent. Alors sur la petite enfance, comment on a procédé? Quatre étapes. Une première étape, l'exploration de terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut imaginer comment ça se passe pour les parents, mais la meilleure façon de le savoir, c'est d'en discuter avec eux. Donc pour ça, on mène des actions de terrain. On va voir dans la réalité, dans les lieux où les parents se rendent pour inscrire leurs enfants à la crèche ou trouver un mode de garde adapté. Pour bien comprendre tout le processus, comment aujourd'hui ça se passe quand on est futur parent, pour trouver son mode de garde, être rassuré, savoir à la naissance ou tout de suite après la naissance où ce bébé va être gardé. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est très délicat, hein, pour des jeunes parents. Donc on a vraiment passé beaucoup, beaucoup de temps à rencontrer à la fois les agents qui délivraient ce service, mais aussi des parents qui étaient en train de vivre cette expérience ou qui l'avaient vécu très récemment. Et pour ça, on s'appuie sur des compétences très spécifiques au sein de notre structure, à savoir des designers de services, en l'occurrence Marie, qui est en plus designer territorial, et également des ergonomes de services.
À l'issue de cette exploration, on a été en capacité de modéliser et de formaliser comment ça se passait, mais surtout, on a été en capacité de faire ressortir les points irritants. Qu'est-ce qui était difficile à vivre en tant que parent? Qu'est-ce qui était des points bloquants pour derrière se dire, bah, sur ces aspects-là, si on veut améliorer le service aux citoyens, toujours en gardant à l'esprit d'être aussi efficient au niveau de la collectivité, il faut qu'on repense ce modèle-là. Et donc là, deuxième étape, un atelier où on avait trois parents avec nous, donc deux futures mamans, et puis un jeune papa, et puis des agents vraiment qui sont de la petite enfance, où l'idée, ça a été d'imaginer ensemble comment le processus pouvait évoluer. Et c'était les parents qui disaient, ben, moi, si demain je déménage dans une autre ville, comment je vais procéder pour trouver le mode de garde? Effectivement, le digital joue un rôle majeur, on s'est rendu compte de ça, mais aussi la relation humaine sur ce sujet-là, elle est conséquente. D'où ce que disait Christelle, attention à ne pas tout digitaliser, parce que sur certains sujets, le fait d'avoir un échange avec un spécialiste de la petite enfance, c'est déterminant pour un parent. Donc on a vraiment reconstruit cette expérience de service telle que les parents avaient envie de la vivre pour que ce soit le plus en phase avec leurs usages. Et actuellement, on est en train de prototyper sous forme de, à la fois de storytelling, hein, c'est des petites animations qui sont préparées par nos designers, et c'est ce parcours-là, en intégrant dedans évidemment du digital, puisque lors de cet atelier, beaucoup de parents ont dit, ben, moi déjà, les premières étapes que je vais faire, c'est aller voir sur Internet, je vais chercher telle et telle information, je vais juste faire ma pré-inscription en ligne, alors qu'aujourd'hui, c'est pas fait en ligne, c'est fait en physique, il faut que le parent se déplace, qu'il prenne rendez-vous. Donc on essaie aujourd'hui de prototyper ce parcours-là, d'y intégrer des interfaces digitaux sous forme d'écran, de faux écrans Internet ou applications. Et l'étape d'après, ça va être de le reconfronter à niveau au terrain. Donc là, des futurs parents, évidemment pas les mêmes que ceux qui ont été mis à contribution. Donc pour voir comment ces gens-là, qui sont vraiment aussi dans cette étape-là, réagissent par rapport à cette évolution du service. Et à l'issue du test, on va travailler avec les équipes de la mairie pour dire, bah, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, agents, et pour nos collectivités, par rapport à nos processus, par rapport à nos moyens, par rapport à la technique, aux moyens techniques dont on dispose. Donc vous voyez, c'est vraiment partir de la vie de l'usager par rapport à un service public pour le mettre à contribution sur comment il verrait ce service public, et après réfléchir avec les agents qu'est-ce qui est possible de faire pour tendre vers ce service tel que l'usager voudrait pouvoir y accéder. Alors, trois points de vigilance par rapport à ça quand même. Attention, l'usager n'est pas roi. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur la liste au Père Noël, hein. On est vraiment sur voilà ce que souhaiterait l'usager, voilà où en est la collectivité. Et bien, sans pouvoir répondre complètement à ce qu'il souhaiterait, comment on fait un pas vers lui pour montrer que voilà, on essaie d'intégrer ces problématiques. Parce que des fois, il y a des problématiques de faisabilité, de viabilité économique, d'investissement dans des outils numériques qui ne sont pas disponibles. Donc voilà, c'est être en capacité de faire ces choix-là. Deuxième aspect, essentiel d'intégrer des agents et de leur faire comprendre qu'on leur demande aussi de regarder leur activité en tant qu'utilisateur. Là, typiquement dans l'atelier, on avait 6 agents, des directrices de crèche, des personnes qui sont au centre social, etc. On leur a demandé de travailler avec les parents en se mettant à la place des parents. Donc de les écouter, mais aussi de se rappeler de ce que voyaient et entendaient. Et pas du tout de réagir en tant qu'acteur du service public. Donc ça a été très enrichissant pour elles. C'est vraiment un moyen de faire adhérer, de faire comprendre par l'exercice. Parce qu'il y a quand même un objectif dans ce genre de session, c'est de produire. C'est-à-dire de ne pas discuter tout le temps. C'est de sortir quelque chose. Et c'est vrai que c'est les retours qu'on a eus à chaque séance. Hein, c'est dire, oh, on n'aurait jamais cru qu'en une demi-journée, on était en capacité de produire un modèle de service, de produire des prototypes d'écrans Internet ou d'applications. Et ça, c'est bluffant et c'est hyper stimulant. Donc, d'intégrer les agents en leur disant, on vous demande d'être là, non pas en tant qu'agent, mais en tant qu'utilisateur. Et on vous demande d'arrêter de discuter et de faire, de fabriquer, de produire des choses, c'est très, très motivant. Et du coup, c'est vrai que ça ouvre la porte à d'autres qui n'étaient pas là. Donc nous, on compte beaucoup sur ces agents-là pour un peu diffuser la bonne parole et motiver d'autres à se dire, bah, finalement, il y a peut-être effectivement une autre façon d'imaginer notre service. Et troisième point qui est important, on ne résout pas tout le problème comme ça. C'est-à-dire que quelque part, de toute façon, il va y avoir besoin de formation. Il va y avoir besoin de, voilà, nous on est là pour insuffler, pour montrer que c'est possible,
On est là pour apporter de la méthode et aider, accompagner Christelle dans cette démarche-là. Mais clairement, il y a besoin de quelque chose de plus conséquent, d'adapter aussi aux différents agents, etc. D'où l'importance de former à l'innovation publique. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors c'est vrai que si vous résolvez le problème de l'inscription en crèche, toutes les familles de France vous en seront reconnaissantes. Sur le nombre de places en crèche, voilà. Il n'y a pas de côté magique, ça vous l'avez bien dit. Alors moi j'avais envie de poser une petite question aux quatre participants de la table ronde, peut-être juste avant un échange avec la salle. Peut-être une question un peu provocante. Il y a un sociologue qui s'appelait Hughes qui disait métier modeste, profession prétentieuse. Bref, est-ce que vous croyez qu'être innovateur public, faire de l'innovation publique, c'est un métier en soi? Ou est-ce que ça doit être plutôt des pratiques qui diffusent au sein de tous les agents? Pour moi, c'est clairement une posture, plus qu'autre chose. C'est un état d'esprit, c'est pas un métier. C'est un état d'esprit, voilà. On décrète pas d'être innovant, on le vit au quotidien. On est dans un environnement, on dispose d'outils, on a une culture d'ouverture qui permet ça. Mais de là à dire que c'est un métier, non, clairement pas. Enfin, pour moi, non. Mais sur ces exemples et sur plein d'autres, il y a deux solutions jusqu'à aujourd'hui qui sont ou de rationner l'offre en disant ou de surdoter en moyens. C'est-à-dire qu'on a un problème dans les inscriptions. Je ne parle même pas d'une question de place. Parce que la question de place, par exemple, nous, sur Orléans, on est sur quelque chose qui est relativement bien optimisé. C'est-à-dire quand on regarde la liste d'attente et la liste d'offres non pourvues, on est sur quelque chose, on n'est pas en surtension comme ce que je peux entendre sur d'autres villes. Maintenant, par contre, il y a une inadéquation entre l'offre et la demande. Et donc, la tentation habituellement, c'est de dire, de toute façon, on a une puissance publique, donc on rationne, et c'est d'une certaine façon ce qui se passe, donc par le mode d'enregistrement, par tout ça, et donc on est content, puisque de toute façon, comme on a le monopole, voilà, pas grand-chose à dire de la part de l'administré. Ou alors, l'élu décide de dire, non, faut que le problème soit résolu, mais tout de suite, l'administration dit, faut rajouter 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros, et donc on fait le chèque si jamais on pense qu'on a la volonté publique de résoudre le problème, et qui passera toujours, dans l'état d'esprit actuel, par une augmentation des moyens. Sauf que aujourd'hui, quand on écoute effectivement les personnes qui s'occupent de tout ça, les vraies questions, elles sont beaucoup au niveau de la façon dont les choses sont présentées. L'explosion des cellules familiales, par exemple, c'est un sujet complet pour les inscriptions et pour il y a toute une série d'éléments en chaîne qui arrivent et qui sont la vraie raison pour laquelle il y a ce qu'on appelle la viscosité à l'intérieur de cette adaptation entre l'offre et la demande. Et c'est là où les démarches sont très intéressantes, parce que je parlais tout à l'heure de coût d'acquisition de l'information. Dès lors qu'on sait donner une information pertinente aux usagers, ils sont en capacité d'optimiser les moyens. Maintenant, quelle est et ça c'est très important pour la puissance publique, parce que ça veut dire qu'elle se défait, et le politique accepte de se défaire, d'un des pouvoirs qu'il a, qui est la gestion de cette information. Et dès lors qu'on la donne aux concitoyens, et je suis convaincu que c'est une donnée lourde de l'évolution de la puissance publique dans les pays développés, dans le modèle occidental, dès lors qu'on laisse nos concitoyens optimiser à la place de la puissance publique, là se posent des rapports, des questions de pouvoir et autres qui sont tout à fait déterminantes, mais qui par ailleurs, normalement, doivent entraîner beaucoup plus d'efficacité dans le résultat. Et moi, ce que je recherche, c'est l'efficacité. Donc voilà. Donc c'est ça aussi qui change les paradigmes, si je puis. Voilà. Donc c'est un état d'esprit. Oui, je dirais même une culture, parce que effectivement, c'est pas du tout un métier. Ça, je suis persuadée qu'il faut que ce soit. Ça transfuse toute l'organisation, qu'on soit dans une collectivité ou dans une entreprise. D'ailleurs, c'est la même chose. Mais il y a peut-être un autre élément. Moi, j'ai commencé à comprendre pourquoi il y avait autant de freins. Bon, le statut, c'est une chose, mais pourquoi il y avait souvent autant de freins? C'est parce qu'en fait, quand vous innovez, vous détruisez quelque chose. Ou du moins, vous remettez en cause.
vous remettez en cause des sachants qui faisaient très bien leur métier, qui effectivement certainement le faisaient du mieux qu'ils pouvaient, et vous leur demandez de revoir et donc d'abandonner quelque chose. Ça, je pense que c'est très dur pour n'importe quel humain. Mais moi, je vais répondre par une question un peu plus provocante aussi. Vous n'êtes pas les seuls à travailler sur la petite enfance. Quand vous faites cette recherche, est-ce que vous êtes allé voir ce que faisaient d'autres villes ? Oui, complètement. Après, on est d'accord, mais on avait un sujet de départ qui était aujourd'hui, il y avait des choses qui avaient été mises en place par la ville, notamment au travers d'une interface digitale, sur lequel il y avait une volonté de la collectivité d'être plus pertinent et donc d'aller effectivement regarder ce qui existait ailleurs. Oui, on l'a fait, oui, tout à fait. Et pour rejoindre, pour moi, effectivement, c'est pas du tout, pour compléter, c'est pas du tout l'affaire de quelques-uns, mais il faut qu'il y ait une vraie action volontariste pour que le terreau soit suffisamment fertile pour permettre que ça diffuse. Voilà. S'il n'y a pas ce terreau fertile, il y en a quelques-uns qui vont s'épuiser dans le désert ou qui vont ramer comme ça un peu tout seul. Donc il faut quand même qu'il y ait une volonté de diffuser et de créer ce terreau. Merci. Alors la parole est à la salle. On prendra les petites questions qui sont arrivées sur l'écran après, mais est-ce que... N'hésitez pas, vous avez fait le déplacement. Alors, je vais vous passer la parole en essayant de ne pas avoir d'accident du travail. Hop là. Ouais, c'est un sujet sur lequel il y a énormément de choses à dire, donc je dois dire que je ne sais pas très bien par quel bout commencer, tellement il y en aurait long à dire et que... En dehors des grandes généralités, ça va être compliqué. Donc, je suis Jacqueline Fèvre, je suis directrice de l'ESSA d'Orléans, qui est l'école supérieure d'art et de design. Donc, là, dans ce que vous disiez là tout de suite, vous avez parlé pour moi de choses qui sont très, très différentes. Moi, j'ai un langage qui est celui de la création, qui est celui, effectivement, de designers qui vont être en capacité de créer, de fabriquer. Et dans ce dont vous parlez, vous amenez des choses qui me semblent tout à fait essentielles et sur lesquelles, effectivement, souvent, la question du design est plutôt une question de méthode qu'une question de création. Donc, c'est ça un peu dont je voulais parler, quoique je suis absolument bien placée pour être absolument convaincue que la question du design peut être aussi, bien sûr, une vraie ouverture de porte. Mais là où il faut faire, pour prendre un exemple très très simple de design, pour juste l'imager, un exemple que je prends souvent, on demande souvent, et ça rejoint vos préoccupations, à un designer, on va lui demander de dessiner un bouton de porte, à ce moment-là, vous bloquez tout le système. Si par contre, vous lui demandez d'imaginer comment on peut passer d'un espace à l'autre, à ce moment-là, vous aurez bien sûr beaucoup plus de création. Donc c'est ça que je voulais, c'est une des choses qui revient à ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'effectivement, la question de l'innovation en passant par la question du design de service, c'est vraiment une manière d'ouvrir très fortement la porte. Je voulais aussi quand même rajouter dans un autre angle de vue que aussi la question du design, c'est quand même aussi une question de qualité de l'innovation. Que l'innovation pour l'innovation, elle a le défaut, le danger, on va dire, qui est d'avoir du mal à faire accepter son innovation. Dans la question effectivement aussi de la création va permettre parfois de remettre vraiment un peu d'humain au cœur de tout cela et de faire passer cette innovation en prenant en compte aussi le confort, la qualité, voilà, et vraiment la question de la création. Donc ça c'était un point numéro 2, je ne suis pas absolument sûre que je vais arriver au troisième que je suis en train de perdre en cours de route et que je replacerai. Bon, tout cela pour dire que, en tout cas, effectivement, la question de la création demande une formation aussi qui est un peu particulière, qui n'est pas seulement du design thinking, mais qui est aussi essentiellement aussi une capacité de rendre un environnement beaucoup plus agréable et sensible, et on en a bien besoin. Donc effectivement, l'innovation publique est absolument indispensable dans ce sens, si vous remettez effectivement cette capacité à créer, c'est vous redonner à la population, à tout le monde, à chacun la capacité de créer et d'aller jusqu'à ce bout-là. Et c'est ça aussi que je voulais rajouter. C'était effectivement que le fait de passer par la question de la veille, bien sûr que la veille est importante, mais en même temps, comme vous l'avez très bien dit, je suis absolument d'accord sur parfois la veille, ça bloque
la création et ça bloque l'innovation. Donc, loin de moi le fait de dire qu'il ne faut pas être attentif à tout ce qui s'est passé avant. Je serais mal placée comme directrice d'enseignement supérieur, mais parfois c'est aussi bloquant. Donc je trouve que la méthode que vous êtes en train de déployer est tout à fait intéressante. Là où je rejoins totalement, c'est sur la nécessité de poser la bonne question au départ et pas de s'enfermer dans la solution tout de suite. Alors, ça, c'est facile à dire. Après, dans la pratique au quotidien, c'est plus complexe à mettre en œuvre. Mais c'est une vraie question et on essaie toujours de se reposer, de sortir, parce qu'on a tous tendance à s'engouffrer dans une solution avant de se poser la question de pourquoi on le fait. Et le deuxième point, ce que vous mettez en avant, c'est l'utilité ou l'utilisabilité des solutions qu'on va délivrer. On ne les fait pas juste pour les faire, mais on les fait pour qu'elles soient utiles et utilisables. Et si c'est le cas, elles vont forcément trouver preneur. Là encore, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, c'est de dire qu'on était bien dans ce même bateau, c'est-à-dire effectivement avancer vers des pensées nouvelles et arriver à accompagner ce changement. Voilà, ça, je pense que... D'autres questions ? Alors, au cas où, moi j'en ai une. En France, on n'a pas beaucoup la culture de l'échec. Probablement, vous avez tenté des choses qui n'ont pas fonctionné. Qu'est-ce que vous en faites ? Comment ça se passe ? Mais, vous voyez, c'est amusant parce qu'il y a un an, donc j'exposais quasiment jour pour jour d'ailleurs, parce que c'était puisqu'on avait fini l'élaboration, donc on passait à la mise en place. Et donc on a modifié beaucoup de choses au niveau de l'organisation interne, et notamment il y a tous les directeurs de service, il y en a à peu près une vingtaine, hein, je crois à peu près. Et je leur ai expliqué donc cette démarche et tout ce qui devait être fait et qui pour eux était un changement d'esprit assez important. Et là où j'ai vu que j'avais été compris, c'est qu'il y a un des directeurs qui m'a posé la question de savoir s'il avait droit à l'échec. Et je lui ai dit à la faute non, parce qu'on est quand même une institution publique, mais l'échec oui. Et donc, donc c'est bien un des éléments importants de la capacité à pouvoir changer, c'est que quand on trébuche, on ne tombe pas. Et par contre, on essaye d'améliorer sa démarche et de faire en sorte qu'on aille après beaucoup plus loin. C'est comme ça qu'on avance. Et pour moi, c'est quelque chose de très important que tout le monde s'empare de cette notion de risque. Et aujourd'hui, c'est une des raisons pour lesquelles, dans ce que j'observe, je dirais qu'à l'exception d'un ou deux que je ne citerai pas, le reste, tout avance. Justement avec cette logique de se dire j'ai la capacité de me remettre en cause, j'ai la nécessité de réorganiser mes services, etc., etc. Voilà. Comme quoi, c'est enregistré très fort. Hein. Voilà. Et qu'on aurait pu amplifier. Donc voilà, vous voyez. Et donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important, cette notion d'échec. Et peut-être en complément sur ma vision de notre organisation, c'est que la notion d'innovation aujourd'hui, elle est très conçue à la française, c'est-à-dire comme étant scientifique et technologique, et elle étant devant être bordée, donc en fait, y compris dans nos collectivités, et aussi parce qu'il y a un risque que, culturellement aussi à faire porter aux élus, on ne sortait un projet que quand il était bordé, calé, qu'il y avait zéro risque. Et donc, voilà, on a un gros changement de culture à engager pour justement changer cette approche-là. Bon, alors si ça peut vous rassurer, ce que montrent les recherches sur les organisations dites résilientes, c'est-à-dire qui arrivent à rebondir par-delà leurs échecs, c'est que c'est en effet la circulation de l'information et l'autorisation de l'échec, pas de la fraude, hein, mais de l'échec, de l'erreur, qui permet l'innovation. Donc des organisations très très lourdes l'ont mise en place, comme l'armée, notamment l'armée de l'air. Quand il y a des vols notamment de pointe, il faut qu'il y ait une circulation d'informations complètement fluide au sein des escadrons, hein, et des débriefings très très réguliers. Ça, j'imagine aussi que ce sont des procédures que vous avez mises en place pour constater quelles ont été les causes d'échecs ou d'erreurs, etc. Hein. Notamment la patrouille de l'armée de l'air française, hein, celle qui se déploie lors du 14 juillet, a été étudiée par des collègues chercheurs dans ce sens-là. Dans les blocs chirurgicaux aussi, hein, on essaie de faire en sorte qu'il y ait une meilleure circulation de l'information, y compris entre des strates qui ne se parlent pas forcément. On parlait du statut. Hein. Les infirmières n'osent pas forcément dire aux chirurgiens que manifestement l'instrument utilisé n'est pas tout à fait adéquat. Voilà, le fait qu'il y ait une autorisation de dialogue entre différents types de hiérarchie.
Voilà, la relation de confiance d'une équipe, ça permet de diminuer notablement le nombre d'accidents dans les blocs. Alors, on n'est pas dans l'innovation, mais on est dans des procédures qui permettent une amélioration du service à l'usager. Ce que vous dites là, pour moi, est très important parce que justement, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, j'observe d'un peu loin. On a donné cette impulsion, je l'ai couverte politiquement, mais pour moi, c'est les directeurs qui mettent ça en œuvre. Et ce que j'observe justement, c'est que à un certain niveau, il y a la peur du jugement de son collègue. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à combattre. C'est une question, il faut du temps, il faut de l'expertise, de l'habitude de travailler ensemble, comme vous l'avez très bien dit. Mais ce partage de l'information qui fait que j'accepte de dire que là, il y a un problème, sans que ça entraîne un jugement, une moquerie, enfin des choses qui sont courantes dans l'environnement du travail, mais qui justement sont très négatives, sont des éléments qu'il faut combattre. Et la deuxième chose, c'est aussi le silo, c'est que chaque direction ne doit pas être jalouse ou envieuse ou au contraire trop sûre d'elle sur ce que peut faire une autre direction. Chacun doit se dire qu'il est dans la même barque et qu'il tire dans le même sens. Ça se dit très facilement. Au quotidien, on voit bien que c'est là qu'il y a les résistances. Mais je pense que c'est une question de temps. Et puis l'autre chose, c'est qu'on développe quasiment tout maintenant en mode projet sur quasiment toutes les fonctions de la ville. Et c'est pour moi, à mes yeux, c'est le bon vecteur par lequel justement ces capacités d'innovation rentrent, parce que le circuit du mode projet, qui est très itératif, autorise justement le fait de se dire, ben là ça coince, là ça avance vite, là j'ai un problème avec tel autre service, etc. etc. Et donc cette latéralisation de tous les services d'une organisation d'à peu près 3000 personnes vue sous cet angle-là, par le projet, permet justement de casser ces codes et faire en sorte que ce soit l'ambition collective qui domine sur les appréhensions individuelles. Merci beaucoup. Alors le mode projet, c'est une organisation, on va dire, avec un petit peu comme le théâtre classique, un temps, une équipe, un objet, une organisation dédiée, sans rapport hiérarchique trop fort, qui nous vient du secteur privé, dans l'industrie automobile. C'est comme ça que la Twingo avait été créée par Renault dans les années 80-90. L'objectif de l'équipe, c'était faire une petite voiture différente et urbaine. Et depuis, elle a essaimé la Twingo, même si elle a changé de visage. Finalement, elle est redevenue un petit peu plus classique, moi, je trouve. Voilà. Et on voit que parfois, mais pas toujours, ce sera l'objet de mon propos tout à l'heure, certaines pratiques du privé peuvent tout à fait s'implémenter dans le secteur public. Pas toutes, mais certaines ont vocation à essaimer et se pratiquent très bien. Je suis un grand fan de Peter Drucker. Je voulais juste revenir. Quand je disais regardez ce qui se fait ailleurs, je suis absolument persuadée qu'on ne peut pas copier tel quel. C'est simplement parce que c'est les démarches qui sont intéressantes, les démarches suivies par d'autres services. Prendre quelque chose sur l'étagère et dire j'installe chez moi, ça, je pense que ça ne fonctionne pas. Oui, enfin, pour des choses très précises et techniques peut-être, mais certainement pas. Mais il y a ce qu'on peut appeler l'innovation de cueillette, c'est-à-dire à force de regarder un petit peu ce qui se fait, d'abord on peut gagner du temps en parlant des échecs aussi, des autres, et puis on peut aussi gagner de l'argent parce que, effectivement, et puis il y a toujours le fait que quand on regarde ce qui se fait ailleurs, ça peut donner d'autres idées, d'autres. Voilà. Ce n'était pas du tout le fait de dire prenez quelqu'un qui est primé et faites pareil, ça va marcher. Ce n'est pas du tout notre optique. Juste pour répondre sur ce sujet-là, parce que je vois qu'il y a une question, études d'usage et benchmark, quelle différence ? Voilà, il y a deux différences. Pour moi, le benchmark, c'est aller voir les solutions ou les démarches qui ont déjà été faites et dont on peut s'inspirer pour répondre à nos problèmes. L'étude d'usage, c'est vraiment comprendre le problème, quoi. Donc, pour moi, c'est des choses qui sont extrêmement complémentaires et c'est ce qu'on essaye de faire. Voilà. Donc, l'étude d'usage, c'est vraiment la réalité de notre territoire qui est différent à Orléans, de Lyon, Marseille, Brive ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est important pour nous. Maintenant, le benchmark, c'est de dire quelles solutions ou quelles méthodes ont été utilisées ailleurs et lesquelles nous semblent intéressantes. Et là, je rebondis sur ce que vous disiez, je suis entièrement d'accord. Donc pour moi, il y a deux différences, mais les deux se complètent puisque l'un va nourrir l'autre. Sauf que le benchmark, à l'origine, bon, on a dit parangonnage en français,
Mais le benchmark à l'origine, ah oui, ça s'appelle parangonnage en français, mais le benchmark à l'origine, ce n'était pas ça. C'était aller voir ce qui se fait dans d'autres métiers, d'autres systèmes, pour résoudre un problème du même type. Ce n'était pas du tout aller voir les concurrents ou aller voir les gens qui travaillaient dans le même métier. C'était aller voir ailleurs comment on résout des problèmes et ça m'inspirait. D'autres questions dans la salle? Oui, très bien. Bonjour, Monsieur Fructos, délégué régional de l'Institut national de la propriété industrielle en région Centre-Val-de-Loire. Je parle plus fort. Ouais, donc je crie. Donc ma question, je reviens sur le temps. Vous avez dit qu'il fallait du temps, du pas à pas, innovation par pas à pas. Comment concilier ce temps avec un marqueur politique, hein, dire pour la prochaine élection, est-ce que l'innovation devient un marqueur politique ou pas? Et est-ce que du coup ça peut se concilier? Alors c'est pas forcément pour la, je parle pas forcément pour la commune d'Orléans. Je parle en règle générale en termes de dans l'innovation publique, il y a souvent des changements de politique. Ça peut être vu au niveau même de l'État. C'est-à-dire qu'on va détricoter l'innovation qui a été menée pas à pas par son prédécesseur. Comment concilier ça? Comment lever ce frein? En faisant tout pour se faire réélire. Mais sinon, en dehors de ça, j'ai eu la chance que cela nous arrive. Mais sinon, en dehors de ça, moi, ce qui m'intéresse, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'efficacité du service rendu à nos concitoyens. Je suis convaincu de la pertinence de la démarche parce que je fonde ça sur l'analyse de changements sociétaux majeurs. Et donc, à partir de là, je me dis qu'à l'inverse, si on ne fait pas ce genre de choses, on risque d'être en porte-à-faux à un moment donné. Et d'autres équipes qui arrivent peuvent entamer cette démarche en présentant justement leurs actions publiques différemment de ce que une position plus conservatrice amènerait à faire. Ceci étant dit, c'est comme dans tous les projets. L'échelle du temps, il ne faut pas la voir à l'aune des échéances électorales. Je peux vous assurer, là encore, ce n'est pas complètement les propos, mais ce qui est important, moi, je pense que ce que les gens achètent dans une élection, c'est la vision que vous avez. Et après, si vous avez cette vision qui est en adéquation avec à peu près ce qu'ils attendent, ou en tout cas plus de la moitié de la population qui l'attend, à ce moment-là, cette vision-là, dès lors que vous êtes en capacité de la mettre en œuvre, ou vous avez fait vos preuves, où vous avez les moyens de montrer que vous allez faire vos preuves, eh bien, à ce moment-là, les gens achètent ça. Donc, c'est être constamment en mode projet qui fait que on peut suivre et donc on a le temps de faire les choses. Et puis, ça peut aller très vite parce que ce qu'on évoquait tout à l'heure, là, cette démarche-là, je l'ai dit tout à l'heure, on l'a annoncée. Ça veut dire qu'elle a été mise sur les fonds baptismaux en réalité depuis le début de l'année. On est déjà sur des services qui vont évoluer grâce à ça. En pratique, avec toutes les précautions, toute la méthodologie qui a été évoquée. Donc, il y a quand même des choses qui vont relativement vite. Et l'idée, c'est d'arriver sur des éléments qui sont très concrets au niveau des usagers et puis progressivement d'insuffler à l'intérieur de la façon dont les services s'organisent cette culture du changement, du regard porté différemment et qui fait qu'à la sortie, des pans entiers vont se retrouver en mode projet un peu plus tard. Mais cette démarche-là, elle est déjà commencée et elle va s'inscrire dans la durée. En fait, c'est la transformation de nos organisations en profondeur, elle prend du temps, mais les premiers livrables qu'on fait sur nos pilotes, ils peuvent être visibles, c'est-à-dire que l'interface qui va être modifiée ou le parcours amélioré en crèche, ça va être du visible rapidement. Voilà. Par contre, la démarche de transformation en profondeur de l'organisation, mais ça c'est en tout cas transparent dans un premier temps pour les électeurs, si on se met dans une posture électorale. Et puis j'avais une deuxième question, je vais essayer de la poser plus fort. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on n'a pas de formation à être innovateur, hein. C'est une posture, c'est un état d'esprit à avoir. La question c'est, pour moi c'est une posture, c'est un état d'esprit à adopter, et donc du coup, pourquoi s'engager vers de formation professionnelle, diplômante, pourquoi créer des diplômes dans ce sens-là? Alors je ne sais pas si c'est un provocateur dans l'Assemblée, mais... Je crois qu'il y a vraiment besoin d'un accompagnement quand même, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il faut la créer, cette culture. Et si vous n'avez pas des personnes qui sont formées
à entraîner ou à accompagner à l'intérieur d'une structure, vous n'arriverez pas, ou vous arriverez avec quelques personnes qui ont un esprit de curiosité particulièrement développé ou qui n'en ont rien à faire de leur carrière et qui vont prendre beaucoup de risques. Mais si vous voulez vraiment que ce soit une culture qui infuse dans l'organisation, qu'elle soit publique ou privée d'ailleurs, je crois qu'il y a quand même besoin, vous vous sentez visé là. Vous avez pris ça au compte, voilà justement. Mais voilà, mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même accompagner. Il y a un moment où vous avez besoin quand même d'un encadrement, ne serait-ce que pour pas partir dans tous les sens, même si tout le monde a droit à l'échec. Et puis, Ben l'a évoqué tout à l'heure, designer, ça s'invente pas. C'est-à-dire que, alors j'ai pas fait les cours moi, mais j'ai fait quelques journées portes ouvertes pour voir. Pour voir, on apprend à ne pas regarder les choses de la façon dont elles sont vues par tout le monde. Et donc, on apprend à faire en sorte par, et ça va de la poésie jusqu'aux mathématiques, en passant par de la philosophie, par du dessin, par voilà, de la photo, par tous ces éléments-là, c'est ce que j'ai vu. Et j'y étais très sensible parce que je crois que justement, aujourd'hui, on est tenu grâce à l'arrivée grâce à ce que permet le digital. On peut concevoir des choses de façon extrêmement différente et apporter à travers ces différents regards. On va ouvrir la porte d'une autre façon qu'avec une poignée et autres, ce qui résoudra un certain nombre d'autres problèmes. Ça, par contre, ça, il faut de la formation, il faut être professionnel. C'est pas quelque chose qui, si vous voulez que des services, que les services petite enfance puissent s'appuyer sur la démarche, c'est parce que au cœur de cette démarche, il y a des professionnels qui ont été formés par tout ce que propose aujourd'hui le CNAM dans sa spécialisation. Et donc c'est là que ça, pour moi, ça a un véritable intérêt. Oui, alors juste pour terminer, enfin avancer sur cette histoire de formation. Bien sûr, le design, c'est une spécialisation très, très intéressante. Nous, on travaille parfois avec l'ENSI, hein, qui fait partie de notre commu, c'est-à-dire de notre regroupement d'universités, pour parler la novlangue universitaire. Et donc, vous ne pouvez pas inventer des outils de management qui viennent du privé. Vous ne pouvez pas inventer une culture générale en droit, en histoire des politiques publiques, savoir ce qui se passe en Europe, dans les autres pays. Vous ne pouvez pas inventer de savoir manier les outils du numérique, ce qui vous était dit. Voilà. Ce qu'on a dit, enfin, pas forcément un métier, hein. On doit mettre des métiers, nous, quand on produit une formation. Le conseil des formations nous demande de savoir à quel métier on va former. Et ce qu'on m'a fait remarquer, c'est que bon, j'avais listé des métiers, chef de projet innovation publique, par exemple, etc. Mais que c'était des métiers qui, bien souvent, n'existaient pas, n'étaient pas nommés. Ce qu'on s'est dit là, c'est que finalement, ça diffuse dans toutes sortes de fonctions. Voilà. Vous aviez des choses à rajouter, peut-être, là-dessus ? Alors, il y a plusieurs questions, finalement, dans la salle, mais on va les prendre, c'est très, très bien. Je suis désolée. Hein, En fait, ce n'était pas une question, mais c'était par rapport justement à cette formation. Le fait qu'il y ait un diplôme aussi pour les personnels des ressources humaines, c'est un repère. C'est-à-dire que quand on a besoin d'embaucher pour l'innovation, eh bien, on va pouvoir s'adresser à quelqu'un qui est diplômé pour pouvoir aider justement à innover dans pour certaines activités. Alors, il y a un certain nombre de questions dans la salle, mais j'avais d'abord une demande ici. Allez-y. Oui, c'était pour revenir évidemment à toutes nos conversations, Isabelle, qu'on a depuis des années sur le commerce de centre-ville, comment l'améliorer. Et c'est vrai que tout ce que j'entends m'interroger beaucoup, puisque ce n'est pas évident d'être représentant d'un métier comme le commerce de centre-ville. On sait que tous les commerces de France et d'Europe, et Olivier l'a très bien dit tout à l'heure, sont en train de muter. Donc forcément, toutes les périodes de mutation rendent certains en difficulté, d'autres un peu moins, ceux qui sont un peu en avance, qui ont été un peu plus visionnaires, qui sont raccrochés à des gros groupes, succursalistes, etc. Mais on s'aperçoit que même ces gros groupes raisonnent différemment eux aussi. Certains sont en train de tomber, certaines chaînes tombent. On voit la disparition d'Enseigne Nationale, ça c'est quand même relativement nouveau.
Et comment faire en fait pour que les commerces de centre-ville répondent à la demande du consommateur, donc plus penser commerce physique, insuffisance des commerçants, ouverture entre midi et 2 heures qu'ils ne font pas. Et puis finalement, quand vous leur dites ou quand vous essayez de les entraîner, vous dites moi je fais de la gestion, moi je sais tenir mon commerce et personne n'est là pour m'apprendre mon métier. Donc sortir de ce cadre-là, imaginer le commerce différemment, associer commerce physique et justement commerce connecté, et tout d'un coup regarder les commerces de centre-ville avec des yeux du consommateur et voir tout ce qu'on peut enlever comme frustration, comme irritant, puisque c'est ça dont on nous parle, hein. Après nous on accueille, et comment répondre, et c'est là où peut-être moi j'aurais besoin qu'on m'aide, parce que c'est tellement énorme comme mutation. En plus, avec Isabelle, on échange depuis des années. Nous-mêmes, on essaye de changer nos métiers, puisque on ne demande plus aux vendeurs d'être des vendeurs. Bientôt, il va falloir être des coachs. Notre métier va muter. Or, on s'aperçoit que bientôt, le client est plus informé que le vendeur. Ça, c'est un petit peu moche, mais enfin, on arrive quand même à ce genre de constat. On s'aperçoit que 80% de nos clients ont été déjà voir sur Internet avant de rentrer dans nos magasins. Ils nous demandent du service, ils veulent que ce soit facile. Il y a un critère temps maintenant qui est tellement essentiel, qui est primordial, ne pas perdre de temps, être efficace. Et c'est vrai que tout ça, c'est à voir avec nous tous, enfin, je pense tous les métiers. Voilà. Je sais pas, c'est pas trop brouillon ce que j'ai dit. Non, c'est très clair. En fait, effectivement, pour avoir déjà évoqué le sujet à plusieurs reprises, ce qui est important, c'est que on ne met pas en doute la parole des commerçants qui connaissent leurs clients. La seule chose, c'est qu'on veut leur apporter un autre regard au travers de témoignages de clients. Et ce qui est hyper puissant, on l'a vu là à l'échelle de la collectivité, mais dans tous les projets que nous on mène, rien ne vaut en termes d'impact pour comprendre et faire bouger les choses que du verbatim, en fait, ce que verbalisent concrètement les gens dans une expérience qu'ils sont en train de vivre, ou une non-expérience, parce que ça aussi c'est le problème, hein, c'est que les gens maintenant veulent de l'expérience, même quand ils vont en centre-ville, et que dire à des commerçants, leur demander comment ils voient les besoins, les attentes de leurs consommateurs, de leurs clients, et leur mettre en face ce que les gens disent, mais c'est à 100% révélateur. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils disent « Ah ouais, mais ça, nous, on ne nous l'a jamais dit, on n'a jamais vu les choses comme ça. » Donc, c'est déjà un bon déclencheur pour se dire « Bon, bah allez, on repart tout à zéro, feuille blanche, et on y va. » Finalement, toutes nos certitudes, elles sont complètement fausses. Si en plus, on vient les nourrir avec ce qui se passe ailleurs, les nourrir sur des grandes tendances, effectivement, tout ce qu'on a appelé l'omnicanal, c'est-à-dire l'importance du web par rapport au commerce physique. Et puis, moi, à un moment donné, je reviens toujours à des choses bêtes et méchantes, mais je suis aussi quelque part cliente de commerçants, c'est l'accueil, quoi. C'est la relation humaine. Effectivement, il faut être rapide et efficace. Mais quand c'est quelqu'un de très agréable, moi, ça ne me gêne pas de rester 5 minutes ou 10 minutes de plus. Hein. Et ça, c'est de l'humain. C'est pas du digital, c'est pas, enfin voilà, donc il y a un gros chantier, et je pense que voilà, l'intérêt demain pour vous aider à avancer en tant que commerçant, c'est de pas être tout seul. Et l'idée, c'est pour ça qu'avec Christelle et la collectivité, quand on a commencé à travailler sur d'autres sujets qui ressortit cette problématique du commerçant, c'est de vous aider à créer cet écosystème, de créer ces interactions entre la collectivité et les commerçants, d'autres acteurs que peuvent être les startups, par exemple, qui peuvent aussi être en appui de solutions à destination du commerce, avec une facilitation apportée par la collectivité. C'est toute cette mayonnaise-là qu'il faut qu'on réussisse à faire prendre, parce que vous ne pouvez pas être tout seul. La collectivité ne peut pas tout prendre tout seul. Donc c'est vraiment créer cet écosystème, non pas des acteurs alignés, parce que ça à la rigueur on pourrait se dire qu'on peut le faire, mais c'est des interactions entre ces gens-là qui ont une vraie valeur, qui sont vraiment de qualité et qui portent leurs fruits avec un objectif, c'est l'individu client final. Et avec un principe fondamental qui est la bienveillance, c'est-à-dire que dans les postures, et on le voit quand on le construit avec les agents, quand on fait des ateliers, nous, sur la petite enfance et qu'on a des parents qui s'expriment, la construction de l'atelier fait qu'ils ne se sentent pas, et la chose est transposable pour les commerçants, remis en cause ou agressés. Donc on est vraiment dans une construction tous ensemble pour mieux comprendre, et certains se rendent compte. Isabelle accompagne, enfin le cluster accompagne des PME qui découvrent leurs utilisateurs, qui ne sont parfois pas leurs clients, au vu des phases d'exploration. Alors tu as plein d'exemples à nous citer, mais il y a des personnes, il y a une entreprise là, qui travaille sur des bas de contention, moi j'aime beaucoup cet exemple, et il y a quelqu'un qui travaille à la R&D depuis très longtemps, et il y a une phase d'exploration
l'élaboration des usages et ils se sont rendus compte qu'avec une même ordonnance, les designers, en allant dans trois pharmacies différentes, avaient trois prescriptions différentes. C'est-à-dire qu'avec un même besoin au départ, un même souci de santé, la personne ressortait avec trois produits différents. Le patron de la R&D qui connaît absolument son sujet, il en est sorti désarmé parce qu'il bosse sur de la R&D, l'entreprise investit, sauf qu'il délivrait un produit super pointu et qu'il y avait un trou dans la chaîne quelque part et finalement l'utilisateur n'avait pas le bon produit. Donc tout ça c'est pour montrer que c'est pas propre à une typologie d'entreprise ou de collectivité, c'est de connaître son utilisateur, c'est toujours un plus et ça se fait toujours avec bienveillance et c'est important dans l'atelier qu'on a fait la semaine dernière dans cette salle sur le parcours d'inscription, ce sont les agents eux-mêmes qui finalement sont venus à proposer des solutions d'agents volants qui allaient eux-mêmes sur le terrain pour voir les parents au lieu d'imposer la contrainte horaire, ce sont eux-mêmes qui l'ont apporté en entendant les besoins des parents. Donc c'est aussi important pour ne pas opposer les deux visions. Alors, on va prendre une dernière question, puis après, on passera à la partie formation qui apparaît beaucoup finalement dans les questions déjà que vous avez posées, qui était notre deuxième petite table ronde. Alors, une dernière question. Merci beaucoup. Emmanuel Constantin, donc chef de service à la Direction régionale des entreprises, la DIRECT. Donc, j'ai deux questions, mais j'aimerais faire un petit détour pour les poser, puisqu'on a dit que l'innovation, ce n'était pas uniquement le numérique. Néanmoins, a été promulguée très récemment la loi pour une république numérique. Alors, pour ceux que ça intéresse, il y a des petits dépliants sur la table d'accueil que je tiens aussi à votre disposition. Et alors, cette loi concerne beaucoup d'aspects qui ne concernent pas directement l'innovation publique. Il y en a deux néanmoins qui sont assez marquants. Le premier, c'est un aspect de méthode, puisque la loi a été en partie issue d'une grande consultation numérique. Plus de 140 000 visiteurs sur le site internet, plus de dizaines de milliers de votes de propositions d'amendements. Et la deuxième chose marquante pour l'innovation publique, c'est tout ce qui concerne l'open data et l'ouverture des données, notamment la mise en place d'un service public des données avec l'APIisation de certaines données d'État, l'obligation aussi de rendre public énormément d'actes administratifs. Et donc, au-delà de cette page de promotion, je pense, importante pour tous, ça m'amène à vous poser deux questions. Et par exemple, à Orléans, est-ce que vous avez pris en compte, à un moment donné, l'idée de soumettre à consultation, alors via le numérique ou non, de manière un peu plus innovante, certaines propositions? Et est-ce que c'est un chantier en cours? Et la deuxième question sur l'ouverture des données, est-ce que dans les projets que vous essayez de mener, vous avez pour l'instant des blocages, des barrières qui vous semble dû au manque d'accès à des données publiques, et est-ce que c'est quelque chose qui va résoudre quelques problèmes dans les services que vous essayez de mettre en place? Non, simplement, sur le premier sujet, oui, on commence une expérimentation de budget participatif, donc sur lequel en fait on alloue une somme. On va recenser des projets sur des quartiers par internet essentiellement, par Facebook, enfin les différents réseaux sociaux, et ensuite il y aura des votes sur après retravail par les services techniques, vote sur la faisabilité, le coût, etc. Donc on rentre là-dessus. La mairie de Paris l'a fait, enfin beaucoup de villes le font, Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire en sorte que dans mes réunions publiques, je n'ai pas que des gens qui ont un âge qui fait que c'est très respectable, ils s'intéressent beaucoup à la ville, mais j'ai les deux tiers de la population qui vivent la ville, donc qui sont intéressés par la ville, mais qui ne trouvent ni le temps, ni le moyen d'être vraiment en relation avec la chose publique. Donc là, je les y mets. J'espère qu'ils vont se saisir de cela. C'est la cible principale. C'est de faire en sorte qu'on soit dans une logique, non pas de co-construction, mais d'acteurs qui soient responsabilisés. Ici, j'ai dit tout à l'heure que le labo, cette expérience-là, elle était surtout née du fait que c'était un élément qui avait été construit par les usagers à partir d'une volonté publique. Donc on voit bien le jeu des deux acteurs. Ben, je vais essayer on est en train de démultiplier ça aussi sur un projet culturel où moi j'ai dit voilà, je mets tant de millions sur la table et vous vous débrouillez. Alors c'est pas tout à fait ça quand même, mais c'est un peu l'idée, et c'est de faire en sorte qu'ils se saisissent
d'un projet, en l'occurrence de faire un lieu de création plastique. Et donc, donc voilà, c'est toutes ces idées-là, progressivement, qui sont à mettre dans le tuyau. Mais de faire en sorte que la ville fasse naître de vrais acteurs. Ce dont je suis convaincu aujourd'hui, c'est qu'il faut faire naître de nouveaux acteurs, que ce soit dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans tous les domaines. Et ces acteurs-là, ils sont là. Il y en a dans la salle, il y en a partout. Il n'y a pas que le maire, il n'y a pas que Madame la Présidente, il n'y a pas que voilà, il n'y a pas que des institutions. On est aussi des acteurs qui sont capables de trouver de nouveaux rôles. Et c'est ces nouveaux rôles qui, après, engendreront les vraies mécaniques de rupture et le fait que la société puisse réavancer. Donc c'est ça, pour moi, en tant que le sens politique de mon action et les moyens donc, que j'essaye de donner modestement à l'échelle de la ville pour ça. Alors, il y a peut-être un autre exemple qui peut-être aussi illustrer, c'est que comment les actions peuvent s'alimenter les unes les autres. Sur la mobilité périurbaine, on est en train de travailler, donc on a engagé une approche d'exploration des usages. Donc là, effectivement, c'est très qualitatif et pas quantitatif, donc ça ne s'adresse pas forcément à un grand nombre d'habitants, mais on va regarder leurs pratiques. Mais après, il y a des ateliers à partir de la matière qu'on va avoir collectée qui vont être organisés à partir de l'année prochaine pour imaginer des solutions complémentaires à l'offre existante avec le grand public. Donc je ne sais pas si je réponds un peu à votre approche. Sur la question de la data, alors moi je ne suis pas particulièrement ces sujets-là et on a une personne vraiment à la ville qui suit la question de la donnée. Ce qui est clair, c'est que pour faciliter la vie de l'usager, on a besoin de lui, et comme disait le maire, ce qui est stratégique, c'est de lui donner de l'information pour qu'il puisse prendre la bonne décision. Et qu'aujourd'hui, effectivement, on a des systèmes. Alors, je ne parle pas forcément des données publiques que l'État ne nous donnerait pas. Moi, la difficulté que je rencontre, c'est que pour délivrer une interface qui soit fluide pour l'utilisateur, on a une architecture informatique interne qui fait que c'est très en silo, ça ne communique pas. La donnée, elle peut sortir, mais pas rentrer ou l'inverse. Alors, ce n'est pas du tout mon métier. Je ne veux surtout pas que ça le soit parce que je veux essayer de garder justement le côté utilisateur et pas rentrer dans la technique. Mais on a des vrais freins techniques parce qu'on a des solutions métiers aujourd'hui qui font que la donnée, elle est dans un logiciel métier et qu'elle y reste et qu'on a du mal à la libérer pour que justement elle puisse être voilà. Et donc on a enfin il y a une réflexion, on va probablement engager une cartographie de notre existant pour voir sa capacité ou son potentiel à faire circuler la donnée. Oui, alors sur ce sujet de la data, je vous invite, si vous pouvez venir à Paris le 1er décembre ou au moins suivre la conférence, on aura une collègue, Maryse Carmès, dont le sujet de recherche depuis toujours, elle travaille en sciences de l'information et de la communication, c'est la data, l'open data, la démocratie et l'innovation publique. Hein, voilà. Et je crois bien avoir compris que Jean-Vincent Placet allait présider l'open government à partir de cette année. Donc ce sera aussi un interlocuteur, vous pourrez interroger à ce sujet. Je me permets une toute dernière question, parce que je ne voudrais pas que soient privés de parole ceux qui ont choisi de s'exprimer comme ça sur le mur. Il y avait une question sur comment initier, animer, valoriser les agents intrapreneurs. Ouais, l'intrapreneuriat au sein des services publics, c'est-à-dire est-ce que vous avez mis en place, alors vous nous avez parlé d'organisation projet, très bien, mais est-ce que vous avez mis en place des moyens de détecter finalement des initiatives qui auraient été prises par des agents, j'en sais rien, des boîtes à idées, des... Alors il y a une première approche qui a eu ce qui a été appelé un hackathon des managers. Alors en fait c'était deux jours qui ont regroupé fin d'année dernière l'ensemble des managers de la ville et de l'agglomération pour émettre des idées, et ces idées-là font l'objet d'expérimentations qui sont en cours dans notre organisation. Donc elles sont déployées dans certaines directions volontaires, elles sont testées, elles vont être évaluées avant d'être ou dupliquer ou transposer plus largement. Après, on débute, donc ça fait quelques mois qu'on a mis en place la démarche et c'est une vraie question qu'on se pose. Voilà. Et ça fait partie de nos chantiers pour 2017. C'est un vrai sujet de réflexion et qu'on vient nourrir petit à petit au fur et à mesure de nos échanges. C'est comment, voilà. Alors aujourd'hui, comment on les a identifiés, c'est beaucoup parce qu'on a des gens qu'on a sentis comme volontaires et qui sont venus vers nous sur ces sujets-là. Mais à un moment, il va falloir qu'on transforme un peu l'essai et qu'on le systématise un peu plus. Et en tout cas, c'est des vraies réflexions qu'on est vraiment en train de mener. Donc on est preneurs de vos retours d'expérience aussi. Bah aujourd'hui, il y a des initiatives qui existent, alors plus dans la sphère privée, encore qu'on la voit ouais. Émerger dans la sphère publique. Hein, c'est tout ce qui est lab innovation. C'est un grand mot. C'est une superbe volonté de faire changer les choses. C'est assez complexe à mettre en œuvre, donc on ne va pas pouvoir faire tout d'un coup, parce que ça fait intervenir plein de facteurs.
Il faut des processus, il faut des individus, il faut de l'animation, il faut un lieu. Le labo ici est un lab innovation et l'idée c'est d'aller d'essayer de construire à plusieurs des services ou je ne sais quoi, des innovations. Donc oui, c'est possible, mais ça ne se décrète pas tout seul parce que voilà, c'est une montée en puissance. Et nous, on espère qu'au travers des exemples qu'on est en train de mettre en œuvre, de détecter, comme le disait Christelle, des gens qui ont envie, etc., pour que ce soit eux déjà qui soient les premiers. Moi, je crois beaucoup au phénomène d'appel d'air. Me dire aujourd'hui, il y en a peut-être qui regardent ça de loin en disant encore un autre truc nouveau, ou qui se disent bon, j'attends de voir ce que ça donne avant de m'y engouffrer. Donc, je crois beaucoup à quelques personnes qui vont être vraiment les pionnières et qui vont entraîner leurs collègues. Parce que nous, on aura beau faire, mais on n'aura pas l'impact du collègue de bureau qui l'a fait et qui me dit allez, viens faire. C'est complètement perturbant, mais alors on produit des choses. C'est, voilà. Donc déjà, nous, c'est d'essayer de faire, produire, et puis d'essayer de construire après un environnement qui soit favorable à ça. Un lieu, des outils, des animateurs, des facilitateurs, plus que des apporteurs ou des sachants ou des apporteurs de solutions. On est vraiment, nous, là, notre rôle, on le voit vraiment comme des facilitateurs pour faire émerger ça et le faire bouillonner beaucoup plus de façon plus importante. Bon, bah écoutez, il me reste à vous remercier beaucoup pour votre participation. Et oui, je pense qu'on peut vous applaudir. Merci beaucoup. Passer à la partie dédiée à la formation, même si c'est une question qu'on a déjà abordée. Donc, si Patricia Fresneau et Christian Boucher veulent venir me rejoindre, installez-vous, je vous en prie. Patricia, peut-être de l'autre côté, du coup, pardon. Donc, une partie qui va être un petit peu plus réduite, puisque on avait dit qu'on terminait aux alentours de 17h et on va tenter de s'y tenir. Et puis, ce sont des sujets qu'on a déjà abordés. Hein. Le mur est couvert de questions. Comment devient-on acteur de sa formation? Je ne suis pas innovateur, puis-je me former? Voilà. Donc, pour vous dire très, très rapidement... Des petites choses. Moi je vais. Donc, mon métier, c'est d'être enseignant et chercheur. Et je fais des recherches en management public, c'est-à-dire comment on va gérer, diriger, mais aussi faire agir des organisations qui sont des organisations publiques. Je vais vous dire deux mots, très, très rapidement, puisque ce n'est pas l'objet principal, de ce qui existe en la matière et de ce qui a été un petit peu pensé, réfléchi autour des enjeux de formation. Le management public, c'est une discipline très, très jeune qui date des années... les premiers articles, c'est 1950, mais à vrai dire, c'est une discipline qui a pris son essor dans les années 70, 80, 90, notamment avec tout ce qu'on a appelé le nouveau management public, c'est-à-dire l'idée d'implémenter ce dont on parlait tout à l'heure avec Monsieur le maire, l'idée d'implémenter des outils du secteur privé, notamment la LOLF, je ne sais plus qui en parlait, hein. D'implémenter des outils du secteur privé dans le secteur public. Ça a marché parfois ça marche moins bien. L'outil gestion de projet dont on parlait tout à l'heure en est un bon exemple. Au sein de ce management public, au bout d'un moment, on s'est interrogé sur les problématiques d'innovation, qui sont l'objet de la conférence d'aujourd'hui. Et tout ça pour vous dire que finalement, il y a deux visions de ce que ça peut être l'innovation dans le secteur public. Soit c'est on implémente des outils, hein, c'est ce qu'on appelle l'innovation managériale, des outils essentiellement du secteur privé, donc gestion par la performance, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ça c'est nécessaire et très peu souvent effectué dans le secteur public. Mais il y a parfois évidemment des limites à ces outils, notamment la gestion par la performance connaît un certain nombre de limites. Bien souvent, quand on va utiliser des outils autour du numérique ou des outils autour du contrôle de gestion, on s'aperçoit que ce sont des outils qui sont utilisés pour finalement développer une forme de pensée politique
hein, avec des objectifs très particuliers qui ne sont pas forcément des objectifs de service public. Et donc, c'est développé un deuxième volant dans la recherche qui est celui de la co-construction. Alors, je sais que Mme Jung n'aime pas beaucoup ce mot, mais l'idée que des acteurs privés comme des acteurs publics peuvent être acteurs de la décision publique. On a parlé d'intelligence économique au début de la conférence, il y a un petit peu de ça. Hein. L'idée que des associations qui sont des acteurs du secteur privé peuvent participer à la décision publique. L'idée que des entreprises, évidemment des entreprises qui souvent sont parties prenantes des services publics. Moi j'ai par exemple étudié ce que fait Lyonnaise des Eaux, qui est un fournisseur d'eau bien connu d'un certain nombre de communes. Je vous rappelle qu'en matière d'eau, monsieur le maire est parti, mais c'est le maire hein, qui décide de son prestataire. Eh bien, Lyonnaise des Eaux s'est emparée des problématiques publiques, finalement, a fait un tour de France, des régions, et est allée faire des forums citoyens pour voir, faire émerger, a fait votre démarche, finalement, hein, se disant que c'était un groupe qui avait les moyens de le faire et que c'était de sa responsabilité de faire un petit peu évoluer la relation client-fournisseur qui n'était pas satisfaisante manifestement. Donc ils ont fait ce que vous faites. Ils sont allés écouter ce que disaient les élus, écouter ce que disaient les citoyens. Ils ont observé, ils ont pris des notes. Ils ont fait une plateforme qui existe toujours qui s'appelle Idées Neuves sur l'eau. Bref, et ils ont proposé du coup de nouveaux contrats, de nouveaux outils juridiques. Alors je ne vous dis pas que tout est parfait, évidemment. Leur idée c'est de vendre un maximum de contrats d'eau et je suis loin d'être leur porte-parole. Mais tout ça pour vous montrer que parfois des acteurs privés peuvent avoir des actions sur des domaines qui relèvent du secteur public, avec bien entendu l'idée, hein, je vous rappelle que la définition d'une entreprise, c'est une organisation privée dont l'objectif est de produire des biens et ou des services et de les vendre pour maximiser son profit. Donc ça reste l'idée générale. Néanmoins, ça peut quand même contribuer parfois au déploiement de problématiques, au déploiement d'outils et à des choses qui concourent finalement au secteur public. Voilà un petit peu les tendances, on va dire, des réflexions des chercheurs là-dessus. Et alors là-dedans, la formation. Mais il y a évidemment des chercheurs qui réfléchissent sur des choses très classiques qu'on voit dans le privé. Quelles sont les compétences à acquérir pour devenir innovateur? Et il y a quelque chose qui apparaît d'assez particulier dans le secteur public, c'est la notion de territorialité, c'est-à-dire l'idée qu'être ancré dans son territoire, le réseau, l'idée d'échange est plus importante pour être un apprenant. C'est une des questions qui était posée sur le mur. Dans le secteur privé, encore plus que dans le secteur privé, plus important dans le secteur public pardon, que dans le secteur privé. Donc cette notion de territorialité, de territoire, elle est très importante. Il y a d'autres travaux dans le secteur public qui mettent en avant la fonction de l'imagination. Alors c'est quelque chose dont on ne va pas avoir assez de 13 minutes pour discuter, mais voilà, la personne de l'école du design n'est plus là, elle va revenir, mais on est vraiment en lien on aurait pu discuter avec elle de ça, parce qu'on a vu, hein, l'idée c'est de changer ses représentations quand on veut faire de l'innovation, d'avoir un leadership créatif et d'être dans du design. Et donc la notion d'imagination, elle a été testée sur des cadres publics et ça fonctionne assez bien. Voilà, et j'en terminerai simplement en vous disant des choses qui ont été montrées notamment par l'étude d'une collègue qui a travaillé sur les cadres d'un ministère, que ce qui est important sont les contenus, le sens donné à la formation, la participation des apprenants et la capacité de coévolution de la formation, l'idée qu'on va évoluer avec l'apprenant. Et là, je vais passer la parole à Christian Boucher qui est à côté de moi. Alors Christian, il est responsable de l'innovation dans la ville de Romans, mais il est aussi formateur. C'est lui qui va former un certain nombre. Notre première promotion, je vous en parlerai tout à l'heure, on a une vingtaine d'agents et d'apprenants de manière générale qu'on va former dans le cadre d'un certificat de spécialisation sur l'innovation et les politiques public territorial. Et donc il va vous dire un petit peu comment il co-construit sa formation et puis comment il pense très concrètement cette formation à l'innovation publique. Bon, je vais essayer de vous dire ceci en effet, mais d'autres choses. J'ai l'habitude de passer en deuxième partie de colloque.
Alors, de gérer le temps, donc à chaque fois j'ai mon fil conducteur, mais je le revois. Et il y a énormément de bonnes questions. On a du temps, hein. on va dépasser un petit peu 17 heures. Questions qui ont été posées, très intéressantes, sur lesquelles je souhaite revenir dans la première partie. Alors, sur la question de la formation, d'abord, est-ce qu'on peut former à l'innovation? Former, innover, est-ce qu'il n'y a pas, quand on fait un peu d'étymologie, une espèce de contresens? Pour moi, ça paraît relativement évident. Quand on parle de créativité, c'est autre chose. Après, est-ce qu'on a encore l'attitude à innover ou pas dans le service public? Moi, j'aime bien dire que où on prend le risque d'être innovant aujourd'hui, où on prend le risque de disparaître demain, et dans un demain qui est relativement proche. On est dans un monde VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu. C'est le complexus d'Edgar Morin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la complexité, la multicomplexité est devenue la norme. On est dans un monde où on a 70% des enfants qui sont en primaire qui ne savent pas quel métier ils feront demain, parce qu'ils n'existent pas. Alors ça, ce sont nos réalités. On est dans un monde professionnel, c'est vrai dans les collectivités locales, mais pas que, où plus de 50% des actifs sont des gens de la génération Y, donc qui ont une autre vision de la formation que peut avoir un quinca tel que je suis. Donc quand on parle de formation, je pense que la première cible, c'est le formateur. C'est-à-dire, c'est la capacité de l'intervenant à prendre en compte l'attente de l'apprenant. Ça, c'est fondamental pour moi. Après, on avait déjà eu cet échange avec Madina. Est-ce qu'on forme ou est-ce que les gens se forment? C'est pas tout à fait la même chose. Moi, je pense qu'on ne forme pas. Je pense que les gens se forment, ce qui est différent. Alors, on peut enseigner, mais je pense que les gens apprennent aussi, et que c'est beaucoup plus efficace. Donc la question de la formation, aujourd'hui dans nos collectivités locales, à la formation, à la créativité, elle est fondamentale. Fondamentale parce qu'on sait qu'on a un certain mal-être aujourd'hui dans nos organisations. Alors, ce n'est pas parce qu'on va développer tout l'aspect soft de la créativité, de l'innovation, que tout va aller mieux, parce qu'on a de vrais problèmes structurels auxquels nous devons répondre, mais on sait quand même que un agent ou un employé qui est heureux, c'est 55% de créativité en plus. C'est factuel, c'est étudié. Maintenant, on a des données scientifiques. On sait qu'un agent, un salarié heureux, c'est 31% de productivité en plus. Alors, on se demande encore s'il est intéressant d'être créatif, innovant, bienveillant dans nos organisations. Je crois qu'on n'a plus à se poser ce genre de questions. Alors, on a un frein qui est un frein important. Moi, je suis très critique sur la structure des organisations. C'est-à-dire qu'on parle de transversalité dans une structure jacobine, pyramidale. C'est-à-dire qu'on évolue dans des structures publiques qui n'autorisent pas la transversalité de par leur configuration. Alors, on ne va pas tout de suite parler d'holacratie, d'organisation agile, mais j'ai entendu parler de mode de projet. Peut-être que l'avenir, très proche, je l'espère, de la fonction publique, c'est le mode matriciel. Si on veut sortir du silo, j'entendais la problématique autour du service informatique, le silo informatique, bah peut-être qu'il y a un problème structurel. Voilà. Alors ça veut dire que quand on est sur ces approches, on re-questionne la relation au pouvoir, à l'autorité, au management. Aujourd'hui, un des points saillants dans les organisations que je connais bien, c'est la question du management. On a 90% des gens qui sont encadrants qui ne sont pas formés au management. C'est-à-dire qu'on a une confusion très marquée entre hiérarchie et management, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que quand on manage une organisation, c'est un petit peu quand on a fait tout le reste. C'est un métier. Demandez à un comptable d'aller sur le service culturel, il va vous dire « je ne sais pas faire ». Demandez à quelqu'un de manager une équipe de 20 personnes, pas un cadre ne vous dira « je n'ai pas les compétences ». Alors quand on travaille sur la question de l'innovation et de la créativité, il faut être aussi clair sur les compétences qui sont attendues. On est plus sur des compétences sociales, émotionnelles. Alors, il y a des compétences techniques, bien évidemment. Il y a quand même des outils qu'il est important de maîtriser. Mais on est sur ce style de compétences. Dans ce qu'on appelle le lifelong learning, l'éducation tout au long de la vie, la créativité
est une des 8 compétences clés. Ça veut dire que nous sommes formatés par le système scolaire, dès notre plus tendre enfance, pour évoluer dans des systèmes de compétition, de silos, alors que le monde professionnel, c'est un monde de transversalité et d'intersectorialité. Donc c'est-à-dire qu'il faut, quand on travaille dans la créativité, dans l'innovation, désapprendre la compétition. Et ce que nous demandent aujourd'hui les apprenants, les auditeurs, il y a des questions qui étaient posées dans ce sens, c'est pas le comment, c'est le pourquoi. C'est de revenir à la question du sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus forcément réussir, ils veulent s'accomplir. Ce n'est pas tout à fait la même chose, ce ne sont pas tout à fait les mêmes outils. Et là, on voit bien encore une fois que se pose très rapidement la question de l'évaluation dans nos organisations, qui rejoint la question de la valorisation. Comment est-ce qu'on valorise les gens qui sont innovants, qui viennent faire bouger le cadre? Parce que le cadre, il n'aime pas qu'on le bouge. Alors le cadre, et puis le cadre manager, parce qu'il a une position qui est certaine. Et on ne va pas parler de la pyramide de Maslow, mais la sécurité économique, affective, etc. On n'a pas envie de bouleverser tout cela. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. Donc, donner du sens, faire en sorte que les gens soient réellement acteurs, ça change aussi la posture de celui qui intervient en formation. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une maïeutique. 90% des réponses, ce sont les apprenants qui les ont déjà. C'est-à-dire que l'organisation, l'intervenant, le formateur, va créer les conditions pour que ces connaissances affleurent. Voilà. Et puis va aider la personne qui est en face de lui à les cueillir, tout simplement. Voilà. Donc j'ai une première réponse et puis peut-être que je reviendrai vous voir un petit peu plus tard, comme ça, ça laisse un temps de parole à ma collègue. Merci Christian. Et donc Patricia Fresneau, qui dirige le centre CNAM de la région Centre, va nous dire un petit mot peut-être de sa vision pour l'avenir sur ces sujets-là. L'avenir, bah, il est complètement ouvert et moi je suis très très contente d'avoir l'ensemble des acteurs réunis parce qu'on voit bien que les points de vue des uns et des autres convergent. On est parti de projets politiques, projets d'établissement que nous ont rappelé l'administrateur général Olivier Faron, mais aussi Olivier Carré. On voit bien qu'il faut porter des ambitions et que si cette ambition, cette vision, elle n'est pas partagée, un minimum lisible, il est difficile pour chacun d'entre nous, notamment quand nous sommes dans un territoire, d'essayer de voir quels vont être nos moyens d'agir. Parce que nous sommes les échelons, comme le disait monsieur le maire. Moi, je ne fais plus rien, ce sont mes directeurs qui vont faire. Alors là, tout est la question de situer un organisme de formation, alors, dont je rappelle combien nous sommes dans cette relation du public. Hein, nous avons une mission de service public à décliner dans les régions. Donc la question de ce projet a été bien sûr évoquée, du cadre donné avec cette culture du service, je pense, qui est réinterrogée et à laquelle je fais référence sur cette journée qui a eu lieu entre le CNAM et la Tribune récemment, où on réinvoque des sociologues, vous parliez d'Edgar Morin. Je pense que quand les situations sont complexes, il faut effectivement avoir quelques clés de lecture nouvelles pour se distancier de notre quotidien. Hein, on disait, nous, on a besoin d'être accompagnés. Moi, j'ai aussi besoin d'avoir de nouvelles clés de lecture. On entend qu'on ne va pas pouvoir continuer à faire de la même façon que nous faisions. Pour l'ensemble des paramètres qu'on a évoqués, les nouvelles générations, pour ce qui nous concerne, on se forme différemment. On va donc avoir des personnes qui sont des attentes qu'on a du mal à dimensionner. On cherche... et notre établissement a beaucoup travaillé sur un modèle de service, accueil, information, orientation, accompagnement, qu'on essaie de décliner dans une lisibilité la plus homogène pour rendre un service de nature à être lisible sur l'ensemble du territoire. Vous savez que nous sommes, du coup, nous avons des centres sur l'ensemble des territoires. Et donc la question de la maille, de l'expérimentation, de la direction de ces établissements est interrogée quand il s'agit de se déconnecter, non pas de le CNAM comme offreur
deux dispositifs de formation, et on le sait, qui réinterroge hein, la qualité de son offre autour des processus, mais surtout de le réinterroger sur le plan de la qualité perçue du point de vue de nos usagers. Donc, quand on commence à s'ouvrir à ce questionnement et qu'on trouve auprès de nous, dans des territoires tels que l'Orléanais, des personnes, comme on l'a vu auprès d'Isabelle qui nous a expliqué cette démarche que porte Nekoé, effectivement, on se dit que peut-être on va avoir les moyens d'être accompagnés pour réfléchir sur ces modèles. Alain Touraine nous disait « Nous sommes perdus parce que nous avions des grilles de lecture tirées des modes organisationnels qui nous ont donné à avoir une lecture économique ou sociologique. Hein, » on parle beaucoup de l'ensemble de ces déterminants hein, socio-économiques qui souvent dressent le portrait hein, d'un écosystème. Eh bien, lui, il réinterrogeait cette question de la culture. Donc, je pense que voilà, la culture du numérique, cette mission de service public... Je pense, doit nous amener à voir comment nous partageons ces éléments-là pour le transformer dans quelque chose qui sera certainement nouveau du point de vue de l'offre de formation. Et je vais tout de suite rebondir sur ce que vous venez de dire en tant que rendre acteur chacun d'entre nous, parce que finalement, nous sommes tous à un moment donné usagers, utilisateurs de services. C'est aussi peut-être retravailler sur cette conception que Philippe Carré a du sujet social apprenant. Alors effectivement, est-ce qu'on forme, est-ce qu'on donne une forme, est-ce qu'on apprend? On voit bien que derrière se déclinent des dispositifs de mode social learning. Alors, je fais des anglicismes, mais c'est quand même ce qu'on entend. Est-ce qu'il faut être dans des lieux où il y a des living labs, parce qu'il faudrait peut-être apprendre différemment? Moi, je pense que tout ça contribue, en tout cas, à donner des formats qui réinterrogent les dispositifs de formation et qu'il me semble trouver ici un écosystème qui le permet. Et puis, ben, vraiment, là, pour faire un témoignage interne, on a très certainement, on est en passe hein, d'écrire cette nouvelle page avec Nekoé pour réfléchir sur ce processus de service et se dire comment on accompagne une équipe en région pour se donner, se décentrer, avoir un autre regard. Et ça, c'est clair qu'on ne peut pas le faire tout seul. Et puis aussi, peut-être, en tant que dirigeant, à se dire qu'on a la responsabilité de mettre les moyens organisationnels, parce qu'il ne suffit pas de révéler pour nous les... Peut-être les insatisfactions ou les représentations du coup décalées, ça soulève quand même beaucoup de, parfois de, et de peur à aller s'exprimer. Le climat de confiance, il n'est pas acquis de fait quand on met en place un regard de ce type-là. Donc on va devoir inscrire dans le temps. Alors peut-être que c'est la force d'un CNAM en réseau, tout comme d'autres établissements de services publics, de se donner cette ambition que peut-être on commence à un endroit et qu'on le poursuivra dans l'autre. Et c'est toute la mission de la professionnalisation des acteurs que le CNAM a, hein, et qui rejoint le parti pris, je pense, que nous pouvons avoir, que nous sommes tous et sujets social apprenants, mais aussi travailler sur ceux qui sont là pour donner la forme, enfin, en tout cas les formateurs, et qu'il faut d'abord peut-être se nourrir soi-même, chacun dans les organisations, pour pouvoir après aller redonner... un service, je ne sais pas si on doit dire de meilleure qualité, mais en tout cas plus en phase avec les attentes encore peu souvent ou mal souvent exprimées, mais qui en tout cas, dont on voit bien qu'il faut faire quelque chose. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions plus spécifiquement dédiées aux formations finalement, qui étaient l'objet de cette seconde partie ? On peut continuer le débat, hein. Vous étiez inquiet, en tous les cas, provoquant sur la nécessité, le besoin, l'intérêt. Donc, de nouveau, M. Fruitos, donc je ne vais pas être provoquant. C'était pas, le propos, ce n'était pas tant la formation, la nécessité de formation, la nécessité d'acquérir des outils. Ça je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit et il n'y a pas débat. Ce qui me gêne un petit peu, c'est de dire on va instaurer un diplôme. Ce qui me gêne, c'est qu'on va dire il y a un master 2, je vais apprendre à être un innovateur. Et pour moi, on ne peut pas faire ça. Donc, c'est ça mon propos. C'est un master 2 d'innovateur, ça n'existe pas. Voilà.
Après, qu'il y ait des formations, qu'il y ait des dialogues, qu'il y ait une culture, qu'on vienne s'abreuver auprès de personnes comme eux. Je n'ai pas retenu votre nom, pardon. Mais qui, voilà, ça, oui, c'est comme ça qu'on arrive à rentrer dans le processus intellectuel de faire de l'innovation. Mais pas vu sous le côté académique et éducation nationale, on va dire, je rentre à la fac et puis dans 5 ans, je suis innovateur, quoi. Oui, alors je vous rassure, on ne délivre pas de master de l'innovation, c'est peut-être mal compris. Ce qu'on fait, c'est qu'on a ce qu'on appelle un certificat de spécialisation, c'est-à-dire en gros un cycle très court, c'est quelques mois en cours du soir avec de la formation à distance, c'est-à-dire que vous pouvez le suivre soit le soir, soit à distance, donc sur tout le territoire. Quelques journées de regroupement qui permettent d'avoir un effet promo. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a quelqu'un qui travaille dans une administration à Angoulême. On a une directrice de crèche dans le sud de la France. On a, vous voyez, ça concerne des demandeurs d'emploi. Vous savez bien, vous avez soulevé le souci du temps politique et la réponse qui vous a été donnée était une réponse du temps local. Mais je vous rejoignais sur le temps national qui est plus compliqué à gérer. Et donc, on sait bien qu'avec ces temps politiques, y a des gens qui ne sont pas fonctionnaires mais qui sont contractuels, qui vont se retrouver dans des situations de transition d'emploi, pour parler, voilà, et qui ont aussi ce besoin de créer un collectif. Donc c'est pour ça qu'on fait des journées de regroupement où les auditeurs vont se retrouver, pouvoir discuter. Et pourquoi on vous donne quand même un diplôme à la sortie? Vous pouvez suivre des UE à la carte, il y a donc des unités d'enseignement, il n'y a aucune obligation de toutes les suivre. On ne va pas vous évaluer avec un examen, vous n'aurez pas de QCM à remplir. Hein. On est en effet dans un système, on est un grand établissement d'enseignement supérieur, mais comme les écoles de commerce privées, on vous assure la délivrance de l'unité d'enseignement, mais ça va être, Christian Boucher fera travailler ses élèves sur leurs projets, il va les amener à travailler sur leurs projets. On va travailler par exemple sur les politiques publiques d'innovation, sur les controverses, voyez, des choses, voilà. Donc on n'est pas du tout dans le scolaire et ça reste un certificat, d'accord, qui permettra éventuellement l'employabilité, la promotion, etc. Pour ce qui est de la formation Master 2, ce sont des unités d'enseignement qui sont incluses dans un diplôme plus général un diplôme de gestion, on va dire, hein, qui s'appelle Entreprise, Innovation et Société, qui est dédié finalement à valider, à insuffler cet état d'esprit, on va dire, hein, à des gens, mais pas en faire des spécialistes, ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est pas un métier. Quand Master 2 spécialisé il y aura, ce sera un Master 2 de management public. Alors pourquoi un Master 2? Mais parce que ça reste un diplôme universitaire qui peut être valorisable, parce que certains vont se lancer dans la thèse, dans la recherche, etc. Mais en effet, probablement pas. On n'est pas du tout dans l'idée d'universariser à outrance, pas du tout. Hein. Le CNAM, c'est surtout pas ça. Le CNAM, c'est complètement être... on essaie de faire du design, hein, auprès de nos usagers, c'est-à-dire au début, on avait fait des cours du soir en présentiel. Ils nous ont dit, c'est pas possible, j'habite en Guyane. Et ben, on a changé. Hein. En une semaine, on est passé à des cours à distance. On avait décidé de commencer un petit peu plus tôt. Ils nous ont dit, vous comprenez, la rentrée, c'est compliqué et il faut qu'on laisse le temps à notre employeur de voir, etc. On a dit, on commence le 1er décembre. Ouais. On essaie de faire du design au plus près de nos usagers et au plus près de nos auditeurs. C'est un petit peu ça l'idée. D'autres questions? Bon, on va finir par être ponctuel. C'est très, très bien. J'apporterai bien quelques compléments. Alors c'est un peu dans le désordre, mais j'ai pris quelques notes tout à l'heure au fil de vos interventions qui étaient très intéressantes. Je me suis personnellement posé la question de la définition de l'innovation. Parce que j'ai pas vraiment le profil du géotrouve-tout, hein, très clairement. Et j'ai trouvé une définition très moderne qui me convient bien. Elle est de Schopenhauer. Donc elle date un petit peu. Et Schopenhauer disait, innover, c'est pas voir ce que les autres ne voient pas, c'est penser différemment ce que tous voient. Et je pense que par rapport au contexte qui est le nôtre aujourd'hui, pas uniquement dans les collectivités locales, c'est assez intéressant. Et puis, ça brise certains tabous par rapport à la question de la créativité et de l'innovation. Parce qu'on a aussi tendance à penser qu'il y a certains secteurs qui sont propices à la créativité et à l'innovation et que d'autres non. Ben moi, je pense que dans nos organisations notamment, dans les services ressources, on peut être très innovant aussi.
pas que dans les services qui produisent du service à l'usager. Ça, c'était le premier point. Ensuite, il y a un point qui m'a, mais c'est récurrent chez moi, qui m'a irrité, c'est sur la question du droit à l'échec. Alors, c'est une posture que je ne partage pas du tout. Il y a deux façons de vivre les choses, on les vit en échec ou en expérience. Et je crois qu'il faut sortir de ce vocabulaire. Succès, échec, pour moi, ça fait du résultat. C'est pas le résultat en tant que tel, c'est ce que l'on en fait. Qu'on le qualifie d'échec, entre guillemets, ou de succès, la seule chose qui est importante, c'est ce que vous allez en faire. Voilà. Et ça, dans nos organisations, c'est bien. Alors, j'ai tendance à dire, c'est bien que monsieur le député maire soit parti. Donner le droit à l'échec, c'est présupposer l'incompétence des gens. C'est un peu sévère. Hein. Voilà. Parce que j'entends que l'intention est sincère. Mais voilà, moi, je donne le droit à l'expérimentation. Ça, pour moi, c'est beaucoup plus important. Après, sur la nécessité d'innover, et j'en terminerai là, j'ai toujours l'habitude de dire que les collectivités locales, nous sommes de très, très bons danseurs de valse. Une danse à trois temps. Mais on est sur une piste où nos écosystèmes, ils dansent sur du 8 ans, sur du rock, sur du jive. Alors, ce qu'on sait faire, nous, c'est accompagner le changement. Pas toujours, hein, ceci dit. Mais globalement, on va dire qu'on a les méthodos, l'accompagnement du changement, on sait faire. Le problème, c'est qu'il faut aujourd'hui que nous soyons le changement. Et quand on accompagne le changement à nos rythmes, nos écosystèmes sont dans des mutations permanentes. C'est que quand on a accompagné la modification d'un état, on est encore en retard sur la réponse que l'on apporte. Voilà. Et ça, on n'y arrivera que si nos structures changent. Sinon, les lendemains seront ce qu'ils seront. Il n'y a pas de jugement de ma part. Merci. D'autres réactions, interventions? Bon, écoutez, on était très heureux de pouvoir parler de tout ça avec vous. Je vais essayer de remercier l'ensemble des participants à la table ronde sans en oublier. Donc, Olivier Faron qui était avec nous à distance, l'administrateur du CNAM, Olivier Carré, Madame Young, dont on signale, alors c'est donc le 23, c'est ça, hein, mercredi prochain, enfin pas celui-là mais l'autre, c'est Jean-Michel Ballet qui remettra les prix, oui, vous-même, au Sénat, donc les prix de l'innovation territoriale pour cette année. Christelle Capi pour la mairie d'Orléans, Isabelle Jeannot et puis l'ensemble du cluster Nécoé qui a organisé cette manifestation avec nous et qui nous a très, très joliment accueillis avec beaucoup de bienveillance finalement. Moi j'ai bien aimé, Christelle, votre utilisation de ce terme-là. C'est peut-être comme ça qu'on va terminer la session sur la bienveillance. Et puis l'équipe enseignante du CNAM ici présente, donc Christian Boucher et Patricia Fresneau notamment. Voilà, merci à vous tous d'être venus. Et puis donc à bientôt sur ces sujets, à distance ou en direct. Absolument.